Bien, mesdames et messieurs, vous en êtes d'accord, nous allons débuter. Monsieur l'académicien, monsieur le directeur de la chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité, mesdames et messieurs, directeurs, inspecteurs, professeurs, chercheurs, éventuellement recteurs qui nous écoutaient en ligne, j'ai aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'ouvrir la troisième journée de la chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité dans le Grand Amphithéâtre, et j'en suis d'autant plus ému et ravi que c'est une des premières reprises que nous opérons après des mois d'interruption. C'est pour moi une fierté d'accueillir ces rassemblements, de la même façon que nous avons l'honneur, en Sorbonne, d'héberger depuis très longtemps les activités de laboratoire Lapsidé. Je suis en effet convaincu que les neurosciences, la pédagogie et la psychologie développementale ont un rôle majeur à jouer dans l'élaboration de nos projets éducatifs. Olivier Houdet expliquera peut-être mieux que moi en quoi consiste le principe d'éducabilité. La croyance que chaque individu est en mesure de recevoir une éducation et de progresser dans ses apprentissages. Ce principe, et je parle sous des philosophes, sous le haut patronage de très grands philosophes dans cette salle, est un principe résolument humaniste. C'est l'essence du métier de professeur et c'est l'idée qui fédère les près de 160 000 personnels de la région académique d'Île-de-France autour d'une mission commune et ce qui donne son sens même à ma fonction, celle de recteur. Ce postulat que nous avons tous, puisque je nous considère tous comme professeurs ou pédagogues, choisi d'embrasser, nous place également devant de très grandes et de très lourdes responsabilités. Si chacun, en effet, est par nature éducable, cela signifie que l'échec et les difficultés ne sont jamais irrémédiables, jamais imputables au hasard, et que nous devons tout mettre en œuvre pour les combattre. L'éducabilité universelle nous impose de toujours et encore améliorer nos méthodes, de toujours chercher les sources des obstacles rencontrés par nos élèves. Comme pour le précepteur de Gargantua, le découragement nous est interdit. Chaque jour, nous devons observer nos élèves pour chercher à mieux comprendre, à mieux enseigner. C'est une tâche parfois herculéenne, mais passionnante. Elle exige que nous prenions en compte l'ensemble des inégalités qui touchent nos enfants, qu'elles soient liées au statut économique ou handicap, qui reste parfois invisible. La psychologie et la psychiatrie, les neurosciences, peuvent nous y aider. Malheureusement, telle une île, elles ont trop souvent été mises de côté dans la construction des méthodes pédagogiques. Même si s'éloigne le temps du cours magistral et des élèves muets, le temps des restitutions annonnées, et c'est une bonne chose. Chaque jour qui passe, grâce à des travaux scientifiques, grâce à des travaux comme les vôtres, nous comprenons mieux comment nos enfants apprennent, absorbent, se développent. Nous améliorons ainsi la manière dont nous les ouvrons au monde, dont nous leur transmettons les savoirs. Nous comprenons mieux également qu'au-delà des inégalités tendancielles, chaque enfant est unique par sa manière d'apprendre et qu'il faut exploiter cette richesse et cette diversité.
Car si l'école de la République a pris l'engagement de donner à chaque élève les mêmes chances de réussite, cela ne signifie en aucune façon l'uniformité, ni nécessairement donner à chacun les mêmes outils pour y parvenir. Il faut en effet, quand on est professeur, avoir plus d'une ruse en réserve pour réaliser la magie qu'est l'éducation. C'est pourquoi, inlassablement, les personnels éducatifs et scientifiques doivent continuer à travailler, main dans la main, pour esquisser l'école de demain, bâtir ensemble des méthodes pédagogiques à la fois réalistes, inclusives et efficaces. Nous avons une responsabilité immense, je le répète, celle de ne laisser personne sur le côté, et je crois que nous avons déjà des clés pour progresser collectivement. J'ai eu la chance d'entendre le 20 mai dernier Olivier Houdet, ici même, nous expliquer les différents systèmes de réflexion dont est doté le cerveau. Cet exposé permettait de comprendre le mécanisme qui se cache derrière nos erreurs de jugement, les réponses incorrectes que nous donnons à des problèmes et à des exercices. Je me réjouis de toutes les pistes d'amélioration qu'ouvre ce type de connaissances, et c'est encore trop méconnu chez nos professeurs. Cela me rend résolument optimiste et confiant pour l'avenir de nos élèves et leur progrès. Je ne veux pas être trop long, je sais que vous avez tous hâte d'en entendre davantage aujourd'hui, et je tenais à vous remercier en personne pour votre présence et vos contributions riches et variées à cette nouvelle réunion de la chaire neuroéducative. Je salue notamment l'instance organisatrice de cet événement, le laboratoire Lapsidé, dirigé par Grégoire Borst, et les partenaires, les éditions Nathan, Ipsos et Elsevier, sans qui cette journée n'aurait pas été possible. Sans plus attendre, je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent après-midi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, monsieur le recteur, d'avoir ouvert cette journée. Merci de nous faire l'amitié d'être présent aujourd'hui. Donc, j'ai le grand honneur d'ouvrir cette troisième journée de contribuer à tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui sur la troisième journée de la chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité pour le discours inaugural. J'appelle Olivier Houdet, professeur de psychologie du développement, ancien directeur du Lapsidé, académicien de l'Académie des sciences morales et politiques. Je pourrais dire plein d'autres choses sur Olivier. Et je vais lui passer la parole pour qu'il nous parle d'inégalité et postulat d'éducabilité, bref historique de la Grèce antique aux sciences cognitives. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le recteur de Paris et de la région académique Île-de-France, monsieur le directeur de la chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité, cher Christophe Guerrero, cher Grégoire Borst, madame, je pense qu'on peut ôter le masque lors de la conférence, ça sera quand même plus agréable, pour moi en tout cas. Madame la directrice générale, présidente directrice générale des éditions Nathan, chère Catherine Musset, notre partenaire historique, et on comprend qu'il y a beaucoup de sens à ce que le Lapsidé et l'éditeur scolaire Nathan se soient mariés en quelque sorte depuis maintenant quelques années, ainsi que Marianne Durand qui représente aussi la maison Nathan. Chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, et peut-être ici ou à distance, chers enfants. Et c'est à eux que je voudrais m'adresser en premier lieu, leur dire que tout ce dont on va parler, évidemment, les concerne, notamment en tant qu'élèves, et je me réjouis de vous présenter cet album, Mon cerveau, questions-réponses, qui est une réédition du précédent, mais avec cette fois un changement de la couverture, ce n'est plus un petit garçon, mais une petite fille très lumineuse. Et j'ouvre simplement une page qui n'est pas au hasard, si je la retrouve, où on pose la question tout à fait en accord avec les mots prononcés par monsieur le recteur de Paris. Mon cerveau est-il comme celui des autres ? Et je vous lis la réponse, oui. Absolument oui, tous les êtres humains, garçons et filles, quel que soit le pays où ils sont nés, quelle que soit la couleur de leur peau, ont le même cerveau.
avec deux hémisphères, six lobes, 86 à 100 milliards de neurones selon les estimations, et le cerveau est notre héritage commun. Alors on peut aussi se demander comment le cerveau change-t-il depuis la naissance, ce qui va couvrir ce qu'on appelle l'ontogenèse cognitive et la scolarité. En interaction avec l'environnement, dit-on aux enfants dans cet album, certaines connexions cérébrales se stabilisent, se renforcent, il y a trois vagues de maturation. Chez les bébés, les régions sensorielles et motrices se développent en premier, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, l'action. Ensuite, autre grand train de maturation, les lobes temporal et pariétal pour le langage, la mémoire, l'attention, l'espace, mais aussi les mathématiques. Et enfin, chez les adolescents, le lobe frontal, qui a déjà commencé sa maturation depuis un certain temps, mais qui va faire vers son achèvement pour le raisonnement, le contrôle de soi. Et la troisième question de cette double page, peut-on dire néanmoins que le cerveau est unique ? Et vous y avez répondu, monsieur le recteur, il n'entend pas souvent ces mots-là. Chaque sillon du cerveau est dessiné à l'origine un peu différemment d'une personne à l'autre. Et nous avons ici le professeur Arnaud Cacchia, professeur de neurosciences au Lapsidé, grand spécialiste des motifs sulcogyraux, c'est-à-dire du dessin de chaque sillon dans le cerveau qui est un objet tridimensionnel. Eh bien, chez chaque enfant et chez chacun d'entre nous ici même, nos cerveaux sont dessinés un peu différemment, de même que les connexions qui s'établissent dans le cerveau au cours de la vie sont différentes. C'est un peu comme les visages. Tous les visages sont globalement les mêmes, deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles, etc. Mais aucun visage n'est comparable à l'autre, et dès l'instant où c'est un peu connu, on se reconnaît en quelques dizaines de millisecondes. Il est très important de dire cela, donc, et on termine cette double page. C'est un livre coécrit avec Grégoire. Ainsi, notre cerveau est à la fois universel et individuel. C'est donc une chose importante à rappeler, de même que ce livre qui viendrait être réédité, qui a 40 auteurs, depuis les grands spécialistes des neurosciences comme Jean-Pierre Changeux, qui nous a fait une formidable introduction sur ce qu'on appelle l'épigenèse neuroculturelle, et quarantaine d'experts du monde des neurosciences, mais aussi du monde de l'éducation, dont un inspecteur général, Jean-Pierre Bellier, qui est devant moi, et bien d'autres, directeurs d'INSPE, professeurs des écoles, etc. J'en viens en quelques mots à ma présentation. Inégalité. Alors, je présente ces livres non pas parce que je suis commercial de chez Nathan, mais parce que j'y crois vraiment. Et dans ce laboratoire, on fait à la fois des recherches fondamentales qui sont publiées dans des revues américaines en général, de très haut niveau, mais j'ai toujours tenu, en donnant l'exemple, je l'espère, à écrire des que sais-je, à écrire des albums, et aussi, depuis quelques années, des albums pour enfants, des coffrets pédagogiques pour enfants, pour la classe et pour la maison. C'est donc une politique que de faire cela. Inégalité et postulat d'éducabilité, bref historique de la Grèce antique aux sciences cognitives. Dans neuroéducation, on entend certes le mot neuro, mais aussi éducation. Le rôle de l'éducation dans son étymologie latine, ex ducere, est de guider, conduire hors. Conduire hors de la caverne pour découvrir le vrai, le beau, le bien, disait déjà Platon de façon métaphorique dans l'Antiquité grecque. Mais Platon soulignait aussi que sortir de l'obscurité et du monde des apparences dépendait fortement des différences aussi bien de nature que d'éducation entre les hommes. Il s'agissait avec clairvoyance chez le philosophe d'une psychologie différentielle déjà, c'est-à-dire d'aptitudes intellectuelles morales plus ou moins favorisées par l'environnement social. Et on peut voir dans cette métaphore des choses très actuelles, les apparences, mais ce sont les infox, les fake news ou les illusions. Qu'on a en effet présenté aux jeunes il y a quelques semaines ici même, monsieur le recteur, aux collégiens et lycéens, d'abord les illusions visuelles auxquelles le cerveau est, par lesquelles il est piégé, mais aussi les illusions cognitives, les faux savoirs. Donc c'est cela les apparences. Et bien pour s'en dégager, cela dépend des différences individuelles, tant de nature que d'éducation.
Et bien plus tard, en France, c'est au pédagogue Jean Itard, 1774-1838, et Édouard Seguin, 1812-1880, que l'on doit le concept d'éducation spécialisée. Itard, d'abord, qui entreprit d'éduquer, malgré un diagnostic d'idiotisme incurable, Victor, cet enfant sauvage, abandonné nu dans une forêt, retrouvé après de multiples épisodes et réfugié dans un village de l'Aveyron. Pour cela, inspiré des écrits fondateurs des philosophes des Lumières, tels Rousseau, Locke, Condillac, Itard inventa avec une forte résolution pragmatique tout un matériel pédagogique, une panoplie, ancêtre des panoplies pédagogiques que l'on peut faire aujourd'hui, susceptible de corriger les inégalités de départ et de faire progresser Victor de l'Aveyron, sans toutefois réussir sur tous les points, parce qu'on sait que Victor n'acquit jamais le langage. Le postulat d'Itard était l'éducabilité. Ensuite, son émule Séguin fut à l'origine en France et aux États-Unis de l'éducation des personnes handicapées mentales, dites déficientes intellectuelles ou à troubles cognitifs. Séguin sera une source d'inspiration majeure quelques décennies plus tard pour la pédagogue et médecin italienne Maria Montessori, elle-même confrontée à des enfants en grande difficulté scolaire à Rome. Mais c'est du passage des cas pathologiques aux difficultés des enfants tout venant que l'œuvre de Montessori a pris son ampleur internationale et toute sa singularité par rapport à Itard et Séguin. De Victor de l'Aveyron, on est passé à tous les enfants du monde. Célestin Freinet en France incarnait à la même époque, le début du XXe siècle, cet élan dit de l'éducation nouvelle. D'autres psychologues de l'enfant, tels Alfred Binet, qui dirigeait le laboratoire qui est le nôtre aujourd'hui, le Lapsidé, ou Jean Piaget, essayaient en parallèle de mieux comprendre et mesurer l'intelligence en développement avec leurs échelles, leurs stades. Qu'en est-il de cet héritage un siècle plus tard, 2021 ? Aujourd'hui, renouant encore et toujours avec le constat différentiel de Platon, tant de nature que d'éducation, on déplore chez les enfants tout venant que les inégalités sociales et culturelles, ou d'ordre sociologique, eût dit Bourdieu dans son triste déterminisme, touchent potentiellement toutes les écoles de France et beaucoup trop d'enfants issus de milieux dits défavorisés. Les enquêtes internationales, telles PISA, pointent régulièrement du doigt la difficulté endémique de l'école française à corriger ces inégalités. Pire, il serait dit qu'elle les aggrave. Mais le postulat d'Itard et Séguin doit encore et toujours, comme nous l'a rappelé M. le recteur de Paris, s'imposer à nous tel un défi majeur pour l'éducabilité de tous les élèves, de tous les cerveaux, peut-on dire aujourd'hui, au XXIe siècle. Les réseaux du cerveau sont avant tout, il faut le savoir, des réseaux neuroculturels, comme le souligne très bien Jean-Pierre Changeux dans son livre « Du vrai, du beau, du bien, une approche neuronale ». C'est un clin d'œil à Platon. La question de cette journée de la chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité, dont l'acronyme, vous l'avez remarqué, est SNC, Système Nerveux Central, en partenariat avec l'éditeur scolaire Nathan, déjà cité, et accueilli en Sorbonne par M. le recteur de Paris et de la région académique Île-de-France, la question de cette journée, après-midi cette année, est d'apprécier avec humilité, tant la question est grave et complexe, combien peuvent nous aider les progrès récents de l'étude expérimentale des comportements et de l'imagerie cérébrale, mettant en lumière les mécanismes du développement socio-cognitif de l'enfant et de l'apprentissage. Il n'est pas étonnant que cet événement soit organisé chaque année, depuis 3 ans maintenant, par le Lapsidé, laboratoire CNRS de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, situé ici même en Sorbonne, au 46 rue Saint-Jacques, sur le site historique du laboratoire jadis dirigé par Alfred Binet, aujourd'hui par le professeur Grégoire Borse, au service, comme nous, du postulat d'éducabilité toujours renouvelé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction à cette journée sur les inégalités éducatives. Et sans attendre,
Je vais demander à Alex de Carvalho, qui est maître de conférence au laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, de nous rejoindre sur scène pour parler de comment réduire les inégalités dans l'apprentissage du langage oral. Pour ceux qui nous suivent sur Zoom et sur YouTube, vous pouvez poser toutes vos questions sur Zoom dans sur les commentaires ou sur la section Q, questions et réponses. Et sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires et on essaiera de prendre à la fin de l'exposé d'Alex et à la fin de chacun des exposés un certain nombre de questions. Et on va essayer d'y répondre le mieux possible. Alex, je te passe la parole. Tu as maintenant 20 minutes pour nous exposer tous les travaux que tu fais passionnants sur les inégalités sociales dans l'apprentissage du langage. Mais surtout, tu vas nous dire comment on peut essayer d'imaginer des interventions pour réduire ces inégalités éducative dans le domaine de l'apprentissage du langage. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Pas de problème? Super. Donc, comme a dit Grégoire, je suis là aujourd'hui pour vous parler de comment on peut réduire les inégalités dans l'apprentissage du langage oral. Et comme l'objectif de cette journée est d'abord d'essayer de mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés au sein de l'éducation et ensuite essayer de vous présenter des outils qui pourrait nous aider à combattre les difficultés auxquelles on fait face. Donc, je vais, dans un deuxième temps, vous présenter quelques solutions récentes qui proviennent donc du domaine de la recherche scientifique en neurosciences, en sciences cognitives, pour nous aider à combattre les inégalités dans l'apprentissage du langage oral. Donc, puisqu'on parle d'apprentissage du langage, on se pose la question, mais comment se fait-il que les enfants puissent arriver dans ce monde sans aucune connaissance du langage, mais au bout de 2 ans, normalement, si tout va bien, ils commencent déjà à produire des premiers mots, ils commencent déjà à se communiquer avec des parents. Comment ils ont pu apprendre ça? Eh bien, tout d'abord, ils ont besoin d'interagir avec d'autres personnes dans leur environnement pour pouvoir apprendre à parler. Mais je vais vous montrer aujourd'hui que tous les enfants ne sont pas exposés exactement au même type d'interaction dans leur environnement. Ça veut dire qu'ils entendent le langage, mais ils n'entendent pas exactement les mêmes choses, ou ils n'ont pas accès à la même quantité et à la même qualité d'information pendant leur première année de vie. Un exemple simple pour vous présenter cette situation vient de ce livre qui explique l'importance de la famille dans le développement des enfants et dans leur apprentissage. Et il présente, donc c'est un sociologue qui s'est intéressé à une situation de notre quotidien, donc la situation où, en fin de journée, on va au supermarché avec un enfant et on est devant le rayon de légumes. Et là, l'enfant est confronté à un légume qu'il connaît peut-être pas encore, donc peut-être une aubergine, un légume violet, un peu étrange, pas aussi fréquent qu'une carotte, qu'une pomme. Et il connaît pas le mot pour ces légumes, il doit donc l'apprendre. Donc il pose la question à une première famille qui arrive, donc ici, une maman et sa fille, en fin de journée, fatiguée, la maman, hein, après la journée de travail, et la fille demande « Maman, c'est quoi ça ?» Et la maman répond « Viens, je ne sais pas, on va à la caisse, et c'est tout. » Donc cette petite, elle n'a même pas pu entendre le mot « aubergine ». Donc elle ne saura peut-être pas cette fois-ci, elle ne va pas apprendre comment on appelle ces légumes-là. Une deuxième famille arrive, le sociologue est toujours là en train d'analyser la situation. Pareil, une enfant qui demande « qu'est-ce que c'est ?» et la maman qui répond « c'est une aubergine, mais on ne mange pas ça » et ils s'en vont. Donc au moins, cette maman, elle a fait l'effort de nommer l'objet, donc elle a dit comment il s'appelle, mais elle s'en est arrêtée là. Peut-être que cette petite fille peut quand même comprendre qu'est-ce que c'est. Ensuite, une troisième famille arrive, et cette fois-ci, il y a à nouveau la même situation, la même question, mais la maman qui répond, alors parce que j'arrive pas à lire là, la maman qui va répondre, pardon, c'est une aubergine, l'un des rares légumes violets qui existent. Regarde sa peau lisse et brillante, sa forme. Tu sais, il existe un plat appelé aubergine à la parmigiana. C'est comme le poulet parmesan de ta tata que t'aimes autant. Allez, on achète cette aubergine, on l'amène à la maison, on la coupe en tranches et on pourra regarder comment elle est à l'intérieur. Je pense que c'est un peu comme une pomme de terre, mais avec des graines dedans. Donc, je viens de vous montrer 3 familles différentes, 3 cas différents et 3 types d'expositions différentes au langage.
Donc ça, c'est juste un exemple pour vous faire comprendre qu'il existe des disparités dans la qualité et la quantité d'informations que les enfants reçoivent. Mais ces disparités ont été étudiées de façon plus sérieuse dans la science, notamment dans cette étude fameuse qui a été publiée dans ces bouquins de Hart et Hisley dans les années 95, où ils ont, dans un premier temps, suivi une cohorte d'enfants, 42 enfants, pendant plusieurs années, donc les 4 premières années de vie, et ils ont enregistré, grâce à un petit enregistreur qu'on envoyait à la maison, le langage auquel ces enfants étaient exposés. Tout simplement, on peut enregistrer tout ce que les parents disent à la maison et ensuite compter le nombre de mots qui sont adressés aux enfants pendant le développement. Et ce qu'ils observent, donc ensuite, ils ont divisé les enfants par classe sociale, et par classe sociale ici, c'est la classe de travail des parents. Donc en jeune, vous avez... En jeune, vous avez les parents qui étaient cadres, donc dans milieu socio-économique élevé. En vert, les familles des classes moyennes, donc les employés classiques. Et en violet, c'est les familles qui touchaient les aides sociales aux États-Unis et donc qui étaient dans un milieu socio-économique moins élevé. Et là, économique moins favorisé, eux, ils parlaient beaucoup moins, donc moins de 5 millions de mots. Donc, ces différences continuent de s'accentuer pendant le développement et vers l'âge de 4 ans, les parents parlaient... ils adressaient environ de milieu... Les parents de milieu socio-économique plus élevé prononçaient environ 42 millions de mots à ces enfants, tandis que les familles moins aisées prononçaient à peine 13 millions de mots. Donc on parle d'un écart de plus de 30 millions de mots entre ces enfants-là. Donc ils n'ont pas entendu la même quantité d'informations. On se pose la question, alors est-ce que c'est important ça? Eh bien oui, parce que quand on compte le nombre de mots que ces enfants connaissent, on observe déjà l'impact de cette différence d'input qu'ils ont reçu. C'est-à-dire que maintenant, dans le graphe que je vous présente, il y a le nombre de mots connus par ces mêmes enfants de ces familles-là. Et là, vous voyez qu'à l'âge de 3 ans, les enfants issus des familles plus aisées économiquement connaissaient plus de 1000 mots, alors que les enfants de milieux moins aisés économiquement connaissaient à peine 500 mots. Ces différences de vocabulaire, à l'âge de 3 ans, elles peuvent impacter dramatiquement le développement des enfants et aussi la réussite scolaire. Donc on a des études qui suggèrent qu'à l'âge de 3 ans, donc le score de vocabulaire à l'âge de 3 ans peut prédire le score de vocabulaire de ces mêmes enfants à l'âge de 10 ans. Donc il y a des effets en cascade, ça va impacter aussi le développement, la question de la lecture, Irène va vous parler de ça dans quelques instants, et aussi on sait que la quantité d'informations que les enfants vont pouvoir apprendre à l'école va aussi dépendre du niveau de connaissances langagières qu'ils ont à l'entrée à l'école. Et là, une étude récente qui a suivi plus de un millier d'enfants aux États-Unis et qui a été publiée récemment, qui démontre ça. Donc, ils ont évalué tous les facteurs qui pourraient impacter la réussite scolaire des enfants pendant le développement. Et donc, en suivant les aspects liés à la santé, au milieu socio-économique, et ils ont pu montrer que c'est le niveau du langage à l'entrée à l'école qui prédit au mieux la réussite de ces enfants à l'école, à la fois pour se communiquer avec d'autres camarades, pour comprendre les consignes de maîtresse, pour apprendre à lire, pour comprendre les problèmes mathématiques. Donc, face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Comment éviter qu'un enfant arrive dans notre système scolaire, connaisse moins de langage que d'autres, pour des raisons diverses et variées? Comment on fait pour l'aider? Aujourd'hui, je vais vous proposer deux solutions. Donc, une, c'est de développer un outil que nous sommes en train de faire pour identifier ces enfants. Attention, il ne s'agit pas de les stigmatiser. Hein. Ça veut juste identifier les enfants qui sont en bonne santé, mais qui peuvent néanmoins avoir des difficultés pour comprendre le langage. D'accord? Donc là, comment les stimuler? Comment leur donner des contextes langagiers riches pour les aider à surmonter ces difficultés-là? D'abord, on a besoin de savoir qui ils sont. C'est pour ça qu'on a développé cet outil. Et ensuite, je vais vous parler dans une deuxième partie de... je vais vous donner quelques exemples d'interventions qui ont été faites récemment par des collègues avec qui je travaille, qui se sont avérées
efficace en utilisant des principes qui proviennent de la recherche fondamentale en sciences cognitives et voilà, donc pour améliorer les connaissances langagières chez les enfants. Donc, pourquoi on a besoin aujourd'hui d'un outil pour identifier les enfants qui ont des difficultés? Il existe plein d'échelles, de questionnaires qu'on donne aux enseignants pour identifier les compétences diverses et variées des enfants, sociales, émotionnelles, attentionnelles. Mais on n'a pas à notre disposition un outil qui teste les connaissances du langage des enfants à l'âge de 3 ans et qui puisse être utilisé par le grand public, par les parents ou par les enseignants. La plupart des outils qui existent à l'heure actuelle, ils sont développés pour des psychologues, pour des orthophonistes, et bien sûr, on en a besoin, mais ils sont conçus pour identifier les cas les plus aberrants, c'est-à-dire les enfants qui ont vraiment des troubles cognitifs plus importants pour le développement du langage. Donc, ce n'est pas le cas dont je vous parlais, un enfant qui est en bonne santé, mais qui peut comprendre moins de choses que d'autres parce qu'il est peu stimulé à la maison. Et donc, les outils actuels ne distinguent pas deux cas de figure, c'est-à-dire on teste qu'est-ce que l'enfant connaît, donc on va voir est-ce qu'il connaît le mot table, maîtresse, parent, maman, etc. Donc, c'est toutes les choses qu'il a pu apprendre pendant les premières années de vie. Mais on ne sait pas s'il se trouve en difficulté, est-ce qu'il a un problème parce qu'il n'a pas été stimulé ou il est incapable d'apprendre. Donc, si on enrichit le contexte langagier de cet enfant, est-ce qu'on peut l'aider à surmonter ces difficultés-là et mieux avancer? Donc, avec les outils actuels, on n'a pas moyen de savoir ça parce qu'on ne teste que ceux qui connaissent déjà du français. On ne teste pas leur capacité à apprendre de nouvelles choses. Donc, nous, on a voulu distinguer ces deux cas et donc on va tester aussi la capacité des enfants à apprendre le langage en utilisant, en se basant sur les découvertes récentes qui ont été faites dans le domaine des sciences cognitives qui ont identifié les mécanismes qu'ils utilisent pour apprendre. Donc, on va voir à quel point ils sont capables d'utiliser ces mécanismes ou pas. Et donc, le test, il est très simple. Il se passe sur tablette. Il est complètement adapté à l'enfant, donc on n'a pas besoin d'intervenir pour lui faire répondre. Il avance au rythme de l'enfant. Ça dure 15 minutes. On s'est inspiré d'une version de ce test en anglais, du QILS, qui s'appelle Quick Interactive Language Screener. Donc, c'est un screener, une évaluation numérique de langage qui dure 15 minutes et qui a été conçue pour des enfants de 3 à 6 ans et qui s'est avérée très performante. Pourquoi? Parce qu'on observe, grâce à cet outil, une progression des connaissances langagières des enfants entre 3 et 4, 4 et 5 et 5 à 6. On observe une corrélation de leur niveau de connaissances langagières avec le niveau socio-économique, ce qui est attendu, hein, vu la littérature, mais aussi le score des enfants dans ces petits jeux qui durent 15 minutes prédit, corrèle avec leur réussite à l'école à l'âge de 6 ans, leur capacité à apprendre à lire. Donc, c'est très prometteur parce que ça peut nous dire quelque chose à l'âge de 3 ans déjà. Si on identifie un enfant qui a des difficultés, on peut maintenant se dire, bon, là, on sait que s'il a des difficultés ici, il va avoir des difficultés plus tard. Donc, on va le prendre en charge le plus tôt possible avant qu'il aille à l'école pour apprendre à lire. Et on va essayer de l'aider à surmonter ces difficultés-là. Donc, nous, on a conçu ce même test en français avec l'équipe qui a développé le test en anglais, plus des collègues de l'ENS et de l'Université de Paris aussi. Et donc, dans ces tests, on teste 3 compétences. On teste le vocabulaire des enfants, leur connaissance des grammaires, mais aussi, comme je vous ai dit, la capacité à apprendre de nouveaux mots. Donc, le test de vocabulaire, il est simple. On peut poser une question comme « Montre-moi le porte-manteau » et l'enfant va voir une image où il est en porte-manteau, une poubelle, en port et en manteau. Mais attention, c'est en porte-manteau. Donc, on vérifie s'il va cliquer sur la bonne image. Pour la syntaxe, on a un scénario où il y a un monsieur qui fait des crêpes et on pose la question, comment le monsieur fait des crêpes? Et là, il a l'outil que le monsieur a utilisé comme réponse possible, un monsieur qui est en train de manger des crêpes ou le monsieur tout seul. Et pour le test sur l'apprentissage de nouveaux mots, donc on va tester si l'enfant est capable de raisonner par exclusion dans un premier temps. Donc ici, par exemple, on va montrer 4 images, dont 2 nouvelles et 3 images bleues. Et on va dire à l'enfant tout simplement, montre-moi le torba bleu. Et torba, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas. D'accord? Donc, comment ils peuvent raisonner par exclusion? Eh bien, qu'est-ce qui est bleu ici? Le livre, le train et cette chose que je ne connais pas.
Donc peut-être que Torba, c'est ça. Et l'autre, ça pourrait être en Torba aussi, mais ce n'est pas bleu. Donc je ne le prends pas. Il choisit cette image, mais on veut savoir est-ce qu'il maintenant il est capable de généraliser cet apprentissage. Eh bien, on a tout de suite après un autre essai où cette fois-ci, on montre à nouveau un autre type de torba d'une autre couleur et on va dire « montre-moi un autre torba » et là, il est en torba vert et on va voir s'il est capable de choisir cette nouvelle image. Donc, on a commencé à tester cet outil dans une collaboration avec l'ADEP et on a pu tester déjà plus de 1000 enfants. Et les résultats sont très prometteurs. Donc, on trouve à peu près la même chose que les collègues américains ont trouvé aux États-Unis. Donc, les items se comportent de la même façon. On teste plusieurs compétences différentes du langage. Donc, les connaissances des noms, des verbes, des prépositions, des connecteurs logiques, la compréhension des phrases dans le passé, l'organisation dans le temps. On teste l'apprentissage des mots nouveaux, des adjectifs, des verbes nouveaux aussi. Voilà. Donc ça, c'est l'outil qui est très prometteur et qui bientôt, on espère, on va pouvoir mettre à la disposition du grand public. Donc toutes les personnes qui veulent vont pouvoir s'en servir pour savoir comment va leur enfant dans la compréhension du langage. Donc maintenant, je ne sais pas où je suis dans le temps. OK, super. Donc maintenant, je voudrais vous parler de quelques initiatives qui ont été faites aux États-Unis pour améliorer, donc pour intervenir et aider les familles. De les parents, pardon, oula, les familles, les parents et même les enseignants au sein de l'école à aider les enfants à surmonter les difficultés de langage. Donc pour ça, je vais vous parler d'abord des principes qui proviennent de la recherche fondamentale et ensuite vous donner les exemples plus concrets qui ont été faits. Donc, aujourd'hui, en tout cas au cours des 20 dernières années, on a beaucoup avancé dans le domaine des études sur le développement de l'enfant, sur le développement du langage, sur les mécanismes que les enfants utilisent pour apprendre à parler. On connaît tous les ingrédients magiques. On connaît quels sont les meilleurs contextes pour l'apprentissage du langage, comment un enfant apprend le mieux possible, quelles sources d'informations il faut leur donner pour optimiser les situations d'apprentissage. Et là, les collègues ont publié récemment une espèce de résumé de tous ces principes-là qui explique à des enseignants et à des parents comment utiliser les principes qui proviennent de la science pour améliorer les connaissances du langage des enfants. Donc, je n'aurai pas le temps de vous définir tous les principes, mais il y en a à peu près 6 qui sont très importants. Donc, le principe de fréquence. Donc, on sait que les enfants apprennent mieux ce qu'ils entendent le plus. Donc, il faut parler beaucoup aux enfants et on explique l'intérêt de tout ça. Le principe de l'intérêt, donc les enfants apprennent les mots sur les choses, les événements qui les intéressent. On explique comment travailler sur ça. Le principe d'interaction, comment on interagit avec un enfant, comment on interagit de façon riche et de qualité avec un enfant. Donc, ça ne suffit pas tout simplement de donner des ordres. On n'est pas forcément en train d'interagir à ces moments-là, de dire ce qu'il faut faire sans attendre une réponse en retour. Donc, on va commencer à expliquer qu'il faut d'abord poser une question, ensuite attendre et interagir avec l'enfant, faire des allers-retours. Le principe de diversité où on dit, attention, ça ne sert à rien de montrer en flashcard à l'enfant en disant, regarde, ça, c'est une table, 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 table. Ce n'est pas comme ça qu'ils apprennent. Pour mieux apprendre, ils ont besoin d'entendre plusieurs types de phrases différentes, plusieurs contextes différents, pouvoir faire des associations avec différentes choses qui ont un lien avec l'objet ou le mot qu'ils sont en train d'apprendre. Voilà. Et qu'il y a une réciprocité dans l'apprentissage du langage. Pendant longtemps, les gens développaient des méthodes pour essayer d'enseigner d'abord les sons d'une langue, ensuite les petits mots d'une langue, pour plus tard apprendre des phrases dans une langue. On sait que dans la vie de tous les jours, les enfants sont exposés à tout en même temps. Les sons, les mots, les phrases. Et donc, on explique comment, des fois, des informations provenant du type de phrase peuvent impacter l'interprétation du sens des mots et vice-versa. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on peut utiliser ces principes-là, on peut rendre les parents et les enseignants conscients de tous ces principes et essayer d'enrichir le contexte d'interaction parents-enfants à la maison pour les aider à mieux apprendre.
L'idée, c'est que plus on utilise ces principes, plus les enfants vont apprendre au cours du développement. Donc, je vais vous montrer deux exemples d'interventions qui favorisent l'apprentissage du langage au niveau de la famille et de la salle de classe, et en autre au niveau de la communauté. Donc, ces interventions ont été développées par ma collègue Cathy Hirsch-Pasek, qui collabore avec moi dans le développement de l'outil d'identification de connaissances langagières chez les enfants. Donc, Cathy, avec son équipe, ses étudiants, elle a conçu le projet DOUE, où ils visent, donc c'est un projet participatif, afin de concevoir une nouvelle méthode d'intervention fondée sur des preuves scientifiques. Donc, leur mission, c'est de renforcer les bases de la communication pour améliorer l'apprentissage du langage oral et mieux préparer les enfants pour l'apprentissage de la lecture et la réussite scolaire. Les objectifs, c'est 1. De favoriser la prise de connaissances chez les parents, donc leur expliquer à peu près ce que je viens de vous expliquer là sur l'importance d'interagir avec les enfants, de leur donner du langage pour éviter les disparités qu'on observe dans les apprentissages. Donner aussi les outils pour qu'ils puissent intervenir, pour qu'ils puissent apprendre à interagir avec leurs enfants le mieux possible, augmenter la qualité et la quantité de ces interactions et améliorer les résultats donc, des enfants en termes de connaissances langagières et de réussite scolaire. Donc, pour ça, pour les parents et les enseignants, ils ont développé, par exemple, des petites chartes comme celle-ci qui expliquent comment il faut interagir avec les enfants, quel type de phrase, quel type de contexte, quel type d'exemple il faut donner pour que les enfants puissent apprendre le sens des mots, d'accord, pour qu'ils puissent développer leur vocabulaire. Ils ont fait des chartes qui expliquent à la fois aux parents, mais aussi aux enseignants, comment il peut optimiser les apprentissages en salle de classe. J'ai laissé le lien, parce que je n'aurai pas le temps d'approfondir ça, mais vous pouvez aller consulter les différentes fiches et les petites vidéos explicatives qu'ils ont produites en accédant à ces liens-là. Le deuxième exemple, c'est une intervention qu'ils ont faite au supermarché en disant, OK, donc on parle beaucoup des milieux socio-économiques élevés, milieux socio-économiques moins élevés, mais tout le monde, normalement, a besoin d'aller au supermarché un jour. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, mettre des affiches dans un supermarché et essayer d'augmenter les interactions qui ont lieu dans ces supermarchés entre les parents et les enfants? Est-ce qu'ils vont se mettre à parler plus? Est-ce qu'ils vont commencer à parler des légumes, à donner des exemples, utiliser des mots rares pour les enfants, si on essaie de les sensibiliser? Et donc, pour ça, ils ont fait des affiches. Donc, d'abord, ils ont filmé le contexte dans le supermarché en voyant, si on ne fait rien, combien de fois les parents interagissent avec les enfants, combien de mots ils adressent aux enfants dans cette situation-là. Okay. Et ensuite, ils ont mis des affiches partout. Et une des affiches, par exemple, celle où il y a le monsieur Pomme, là, elle disait simplement, « Le saviez-vous, le supermarché ne sert pas que à acheter de la nourriture. Il y a plein d'opportunités d'apprentissage dans cet endroit. On peut en trouver des jeux sur les mathématiques dans la section de fruits et légumes, par exemple, en les comptant, en les pesant, en les mesurant. Il y a des opportunités de lecture et d'apprentissage du langage oral dans chaque coin de ce supermarché. » Quand on parle, on lit et on chante avec nos enfants, nous sommes en train de les aider à se préparer pour la vie, le développement, de développer leur langage et de mieux réussir à l'école. Parce que le simple fait d'afficher quelque chose comme ça va faire que les parents maintenant vont se dire « Ah tiens, je vais profiter pour parler avec mon enfant. Je vois la petite vache et j'essaye d'expliquer maintenant à mon enfant le lien entre la vache et le lait, par exemple. » D'accord? Donc, profitez. Eh bien, les résultats montrent une augmentation de 33% d'interactions langagières entre les enfants et leurs parents. Vous voyez, c'est une intervention quand même qui ne coûte pas très cher, elle est simple à mettre en place et ça donne lieu à plus d'interactions entre parents et enfants. Une autre intervention, cette fois-ci avec le mobilier urbain, dans les places publiques et dans les arrêts de bus de la ville de Philadelphie. Avant, c'était un endroit sans beaucoup d'intérêt, mais pourtant, il y avait des parents et des enfants qui attendaient en bus dans ces endroits-là. Ils ont eu cette idée, et si on transformait cet endroit, et si on mettait maintenant, là, dans l'arrêt des bus, des petits jeux où les enfants pourraient développer des capacités d'attention spatiale, de narratif du langage, des capacités de fonction exécutive. Donc, pour faire ça, ils ont transformé la petite place et l'arrêt des bus, et ils ont introduit des jeux, par exemple, là,
pour développer l'apprentissage spatial, où par exemple les enfants devaient trier des petites formes, organiser des objets dans l'espace, trier les choses par forme, couleur, etc. Pour développer des narratifs, il y avait un tableau noir, tout simplement, où on disait, quand j'étais petit, j'avais ou j'aimais, et là, les personnes devaient compléter et écrire. Et ça faisait qu'elles pouvaient interagir avec les enfants et parler en utilisant des mots dans le passé, des verbes dans le passé, en introduisant des mots irréguliers aux enfants. Et en petit jeu, pour développer la capacité des fonctions exécutives. En simple jeu, où l'enfant doit sauter, il avait des marques de pas par terre, mais attention, quand il y a deux pieds, il faut mettre qu'un seul. Quand il y a un seul, il en faut deux. Et vous voyez comment ils peuvent travailler les capacités d'inhibition, de flexibilité mentale, de changement de stratégie. Est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien, oui. Les résultats ont pu montrer plus d'interactions entre parents et enfants par rapport au terrain de jeu témoin, plus d'interactions langagières, donc utilisation cette fois-ci des phrases dans le passé, qui sont plutôt rares, hein, s'il n'y a pas d'intervention dans le langage dirigé aux enfants. Ils ont raconté plus d'histoires aux enfants en parlant de leur vie dans le passé. Plus d'utilisation des termes liés aux relations spatiales, capacités numériques ciblées, etc. Donc on parle d'une amélioration qui va de 2 à 36%. Avec tous ces outils, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que si nous identifions les enfants en difficulté le plus tôt possible et que nous commençons à construire des bases solides pour l'apprentissage du langage en appliquant, par exemple, les principes provenant de la science à la maison, dans la salle de classe et dans notre communauté, nous serons mieux placés pour réduire l'écart de 30 millions de mots chez les enfants en fonction de leur niveau socio-économique, ce que je vous ai montré au début. On pourra aider ces enfants à être prêts pour apprendre à lire quand ils iront à l'école pour apprendre à lire et donc mieux réussir à l'école. Et on pourra mesurer notre progrès au fil du temps parce que maintenant on a les outils pour identifier les connaissances du langage chez les enfants. Donc, comme point de départ, nous devons commencer les interventions tôt et créer des environnements qui encouragent les gens à engager des conversations linguistiques riches et de qualité avec les enfants. En leur expliquant l'intérêt de faire ça, en expliquant que ça ne se fait pas tout seul, qu'on ne peut pas attendre que l'enfant nous entende et que comme ça, il se mette à parler. Non, on a besoin d'interagir, on a besoin de les aider à comprendre le monde autour d'eux. C'est ainsi qu'un environnement linguistique de qualité pourrait nous aider à réduire les inégalités dans l'apprentissage du langage oral et favoriser la réussite des enfants au sein de l'école. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alex. Merci. Je vais me faire la voix des auditeurs qui nous suivent sur les plateformes en ligne, sur YouTube, sur Zoom. Ils sont nombreux et on les invite encore à poser plus de questions. Alors, nous avons quelqu'un qui s'interroge. Comment voulez-vous identifier les enfants de milieux défavorisés ayant des difficultés du développement du langage sans les stigmatiser? Attention, quand on propose le test, on n'est pas en train de dire « Ah, je vais te proposer un test différent parce que tu viens d'un milieu défavorisé, un test autre. » Non, ce n'est pas ça. On propose le même test. Après, si on trouve des différences, on va essayer de comprendre d'où elles viennent. Donc, on n'est pas en train de les stigmatiser. Hein. Alors, comment avez-vous prévu l'insertion de ces outils? Allez-vous pointer les écoles des quartiers défavorisés? Alors, donc, l'avantage qu'on a eu en faisant le partenariat avec l'ADEP, c'est que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui fait passer les tests pour nous. Donc, c'est toutes les écoles de France, que ce soit à la campagne, dans le centre de Paris ou ailleurs. Donc, c'est... L'objectif, c'est d'atteindre le plus grand public possible. Existe-t-il un âge à partir duquel il devient difficile de réduire les disparités du langage? Alors, ce que les études suggèrent, c'est que plus on fait ça tardivement, plus c'est difficile. Donc, en tout cas, le message, c'est qu'il faut intervenir le plus tôt possible. Mais je dirais, bon, si on commence à faire l'effort à 15 ans, on va quand même réussir. Hein. C'est juste, ça sera peut-être un peu plus lent. Quel conseil tu pourrais donner peut-être pour tous les parents qui sont nombreux et qui maîtrisent peu ou mal la langue française?
Alors déjà, ils peuvent maîtriser pas bien encore la langue française, mais ils ont déjà une langue. Donc, s'ils peuvent avoir des interactions avec leurs enfants dans leur langue maternelle, en essayant d'expliquer tout ce qu'ils peuvent dans leur langue, c'est déjà très bien. Et après, quand l'enfant ira à l'école, il sera déjà au moins dans une position plus facile pour apprendre le français, parce qu'il connaît déjà une langue qui donne des mots pour des choses qu'il va voir. Donc après, c'est oui, il va falloir apprendre une autre langue, mais il sera déjà mieux placé que s'il avait très peu d'exposition en français à la maison, tout simplement parce que les parents ne savaient pas parler français, donc ça sera plus difficile. Alors, ça m'amène à poser une question, je pense qu'il en intéressera d'autres, mais je sais qu'il y a pas mal de parents qui s'inquiètent parfois de l'impact du bilinguisme. On a parfois cette idée que le bilinguisme peut affecter les performances langagières, perturber l'enfant. Qu'est-ce que tu peux justement nous dire sur le sujet ? Alors, mais je ne serai pas très objectif parce que je suis bilingue moi-même. Donc, parce que bien sûr, l'idée, c'est de vous dire que le bilinguisme, c'est un avantage. On a la chance de pouvoir apprendre. En plus, on a deux parents qui parlent de langues différentes à la maison, de pouvoir apprendre depuis le plus jeune âge, plus qu'une langue. D'accord ? Parce que si on n'apprend pas quand on est petit, on va apprendre plus tard quand on va à l'école. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que quand on commence à apprendre l'anglais que quand on est adolescent, c'est beaucoup plus dur que si on était tout petit et qu'on déménageait aux États-Unis. Donc, je pense que le bilinguisme, c'est un avantage. Après, effectivement, les parents s'interrogent parce qu'ils oublient des fois que l'enfant a le double du boulot à faire. C'est-à-dire, en enfant monolangue, par exemple, on sait qu'au bout de 2 ou 3 ans, il commence à connaître déjà 100-200 mots, par exemple. Et chez les enfants bilingues, on essaye de mesurer la compréhension du vocabulaire en français et on va dire « Ah, il ne connaît qu'une 100 mots. Oh là là, c'est compliqué. » Ben non, on a oublié qu'il connaît 100 dans une langue et peut-être 100 autres dans une autre langue. Et que donc ses connaissances sont plutôt comparables à celles des enfants monolangues. La différence, c'est qu'il a une double tâche à faire. Et donc, il avancera peut-être moins vite, mais il ira peut-être plus loin parce qu'à la fin, il connaîtra 2 langues. Merci Alex. J'ai une dernière question. Dans quel cadre, par quelle structure est-il prévu de transmettre ces informations aux parents les plus démunis socialement, qui semblent être ceux qui ont le plus besoin d'étayage ? Alors, c'est notre grand défi et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à vous transmettre ces informations, parce qu'on compte sur vous aussi pour nous aider à transmettre ces informations-là, en faisant des petits ateliers dans vos écoles avec les parents, en essayant de leur passer ce message que je viens de vous passer, d'expliquer, vous voyez, il y a des études qui montrent qu'il y a un écart, attention, et peut-être que ce n'était pas clair dans ma présentation maintenant que j'y pense, mais ce n'est pas une question d'argent, hein. Ce n'est pas une question juste d'être dans un milieu moins favorisé. Ce qui compte, c'est la qualité des interactions avec les enfants. C'est le temps qu'on passe à interagir avec nos enfants. Il y a des études qui montrent qu'ils se focalisent uniquement sur les enfants issus de milieux moins aisés. Et on trouve des différences de connaissance du langage à l'intérieur de cette population-là. Et quand on essaye de comprendre pourquoi il y a un enfant qui connaît beaucoup de mots ou beaucoup de phrases et un autre qui connaît moins, on se rend compte qu'ils n'avaient pas les mêmes parents. Et donc, il y avait des parents qui donnaient des indices quand ils parlaient, qui faisaient des gestes, qui donnaient des exemples, qui étaient vachement attentifs à ces enfants. Et d'autres qui passaient beaucoup moins de temps parce qu'ils devaient travailler tout le temps, ils n'avaient pas du temps à passer avec l'enfant. Et donc, ça peut aussi créer des disparités. Et donc, dans ces cas-là, on est d'accord, ce n'est pas une question de milieu socio-économique, c'est une question de quantité, de qualité d'interaction avec nos enfants. Donc, le message pour atteindre le plus grand monde possible, c'est d'essayer de comme a fait le groupe Duet, dont je vous ai parlé, rendre les parents, dans un premier temps, conscients de ces difficultés-là, et ensuite essayer de leur donner des outils, donc par exemple les petites chartes qui expliquent comment il faudrait interagir avec les enfants si on veut vraiment pouvoir les aider et optimiser les situations d'apprentissage chez eux. Alors, on va prendre quand même, il y a un dernier témoignage. J'enseigne dans un collège REP de Val-de-Marne et depuis 9 ans, nous constatons un appauvrissement effrayant du langage chez nos collégiens. Il y a pour ces enfants très peu d'interactions avec les parents qui n'ont pas le temps d'échanger ou d'expliquer. Fatigue, travail, autre langue que le français. Nous avons mis en place depuis 1 mois le quart d'heure lecture chaque jour à la même heure pour toute la communauté éducative. Comment aider ces collégiens de 11 à 15 ans à acquérir du lexique et à développer leur langage ?
C'est une super initiative, l'atelier de lecture chez les enfants. C'est quelque chose qui peut effectivement les aider. Il y a d'autres choses où on peut faire travailler la lecture et développer le vocabulaire. Donc, on peut faire des jeux de société où il faut lire les règles pour comprendre les jeux, où il faut lire des petites instructions pour avancer dans le jeu. C'est aussi une façon de travailler la lecture et d'améliorer le vocabulaire. Il y a beaucoup d'activités possibles à faire. Je vous conseille fortement la lecture de cet article qui présente les 6 principes provenant de la science pour favoriser l'apprentissage du langage. Ça va sans doute vous donner des idées d'autres stratégies qu'on peut mettre en place pour améliorer la compréhension et l'apprentissage du langage oral chez les enfants. Écoute, il y a beaucoup de questions, je continue. Hein. Mais on a le temps ? On a le temps. Super. Envisagez-vous de suivre des cohortes d'enfants au-delà de l'entrée en primaire, jusqu'au bac par exemple, pour voir l'évolution de leurs capacités en fonction de leurs résultats primaires ? Alors, donc, avec l'ADEP, donc, c'est cette évaluation que je vous ai présentée, elle sera utilisée dans une étude longitudinale qui va suivre les enfants, donc c'est le nouveau PANELP, et qui va suivre les enfants. Je ne suis pas complètement sûr, je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais je pense qu'ils vont jusqu'au bac, non ? Oui. Voilà, Grégoire peut me confirmer parce qu'il participe dans le même projet. On va passer à une ou deux questions dans la salle. J'ai vu qu'il y avait des doigts qui s'étaient levés, donc on va vous passer le micro pour que vous puissiez poser la question de telle manière à ce qu'elle soit enregistrée. Et donc je vais venir me déplacer. Alors par contre, il faut que je vais vous tendre le micro et je ne vais pas vous le donner parce que sinon on va avoir des problèmes de protocole sanitaire. Bonjour, Pascal Bouchard, je suis journaliste, mais je suis aussi président d'une association qui est une petite sœur d'Accès, Agir contre les exclusions et les ségrégations, dont le principe est celui de la lecture à des tout-petits d'albums de qualité dans des lieux où on peut rencontrer des enfants qui n'ont pas accès au « il était une fois ». C'est-à-dire les salles d'attente de PMI, des cages d'escalier de HLM, des terrains d'accueil de gens du voyage. Est-ce que ça ne vous paraît pas aussi utile, enfin, comment voyez-vous c'est la relation entre les initiative. Petits jeux que vous proposez et cette activité culturelle? Alors, ça ne peut être que complémentaire. C'est très bien d'avoir ces initiatives-là, de proposer ça, d'aller à la rencontre des enfants. C'est une des choses qui va leur permettre d'apprendre aussi le langage et d'aller au-delà du contexte auquel ils auraient eu accès sans vous. On va prendre encore une question et puis ensuite on va libérer Alex. Et donc Jean-Pierre Bellier, maire adjoint à l'éducation de la mairie de Nanterre et inspecteur général honoraire de l'éducation nationale. Honoraire, merci pour l'honneur. Non, moi, je me pose une question, effectivement, qui rejoint mes fonctions actuelles au sein d'une petite ville de banlieue populaire. C'est quoi un environnement linguistique de qualité ? Parce que je connais plein de jeunes dans ma petite ville de banlieue qui ne vivent pas dans un environnement linguistique de qualité au sens où on l'entend parfois de façon académique, et qui sont extrêmement brillants à l'école, qui font des parcours absolument exemplaires, qui ne sont pas d'excellence au sens académique du terme, mais qui nous démontrent que ce n'est pas tout à fait aussi simple, me semble-t-il, que ce qu'on laisse entendre dans le cadre de votre présentation. Alors, donc, dans ma présentation, un environnement linguistique de qualité, c'est celui où on utilise les principes provenant de la science pour enrichir les connaissances langagières des enfants. Je suis absolument conscient que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que de contexte linguistique très riche ou de qualité. Mais comment on fait alors ? Donc, vos élèves très brillants, qui n'étaient pas exposés au langage très riche de qualité selon vous, à un moment, ils ont dû surmonter ces difficultés. C'est l'école qui leur a permis, c'est d'autres personnes, c'est à un moment, ils ont eu accès à quelque chose de qualité pour pouvoir y arriver. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est OK, il y a des gens qui ne sont pas exposés à ça, comment on peut les aider ? Montrons les principes provenant de la science, montrons les contextes qui ont été identifiés comme étant les meilleurs
pour optimiser les apprentissages et essayons maintenant d'introduire ça dans la vie de tous les jours. Et maintenant, on pourra vérifier le progrès et vérifier s'ils vont apprendre plus vite. Moi-même, je viens d'un milieu où on n'était pas très aisé, mais on a pu aussi surmonter les difficultés. Donc, je ne dis pas qu'ils n'auront pas la possibilité de réussir, mais peut-être qu'on pourrait éviter les difficultés, on pourrait avancer plus vite si on avait accès à ça plus tôt. Merci beaucoup, Alex. Merci pour cette présentation. On va t'applaudir de nouveau, merci. Te remercier pour cette présentation. Je vais changer les petites... Et je vais accueillir maintenant Sébastien Goudot, qui est maître de conférences en psychologie sociale au CERCA, qui est un laboratoire du CNRS à Poitiers, et qui travaille sur la reproduction des inégalités sociales, notamment à l'école, ou essentiellement à l'école, et qui a publié récemment un ouvrage de synthèse sur la construction des inégalités scolaires, comment l'école reproduit-elle les inégalités scolaires. Donc, ravi que tu nous parles aujourd'hui du rôle des interactions sociales dans la classe, dans la construction des inégalités scolaires. Merci d'être avec nous. Merci. Hop. Alors, merci beaucoup Grégoire pour cette présentation et merci également donc au Lapsidé et à Ania pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'avoir la chance aujourd'hui de vous présenter mes travaux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la façon dont les situations scolaires, dont les interactions dans la classe peuvent jouer un rôle dans la construction des inégalités. Mes travaux se situent dans une perspective de psychologie sociale qui est tout à fait complémentaire à celle de la psychologie cognitive et des neurosciences, puisque le principe, c'est d'essayer d'étudier comment les contextes, comment les situations peuvent influencer la façon dont les élèves pensent, ressentent des émotions et se comportent. Alors, en préambule de ma présentation, je vais vous demander d'imaginer une partie de Monopoly qui commencerait par un lancer de pièces à pile ou face. Alors, ce lancer de pièces à pile ou face permettrait de déterminer un joueur riche et un joueur pauvre de façon aléatoire. Alors, le joueur riche commencerait la partie avec une somme deux fois plus importante que le joueur pauvre. Il aurait deux dés pour tourner autour du plateau. Et à chaque fois qu'il passerait sur la case départ, eh bien, il remporterait une somme deux fois plus importante. Alors, cette étude elle a été menée par un collègue américain de l'université de Berkeley. Et, bon, je vous dis la fin très rapidement. Bien évidemment, le joueur riche remporte la partie en bout de 15-20 minutes. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on interroge les joueurs sur les raisons de la victoire ou de la défaite, plutôt que de mobiliser la chance, le hasard, eh bien, les gens vont avoir tendance à expliquer comment ils ont réfléchi, comment ils ont pensé à acheter telle maison, telle rue, etc. Et comment leur stratégie, leur qualité individuelle leur a permis d'emporter la victoire. Alors aujourd'hui, je vais filer un petit peu cette métaphore du Monopoly, puisque à l'école, il existe aussi des inégalités de départ, avant même que les enfants rentrent à l'école. Mon collègue vient d'en parler juste avant. Alors ces inégalités, elles ne sont pas déterminées par le hasard, mais elles sont fortement corrélées à l'origine sociale. On sait que dès l'âge de 1 ou 2 ans, il y a des différences très marquées selon dans le nombre de lettres que les enfants connaissent, dans leur capacité à identifier les sons de la langue, à jouer avec, dans leur familiarité avec les ouvrages de littérature jeunesse. Et toutes ces variations de savoir et de compétences, elles sont très utiles pour réussir à l'école. Et vous allez voir que dans ma présentation, eh bien, ces jeunes enfants, comme les joueurs du Monopoly, vont avoir tendance à interpréter eh bien, ces écarts de réussite comme avant tout des écarts de capacité individuelle. Et ça va jouer un rôle en fait, dans le processus de construction des inégalités. Alors, pour comprendre l'effet de l'origine sociale sur ces inégalités, un ensemble de travaux en sociologie, en linguistique, en psychologie sociale considère que l'origine sociale, la classe sociale, c'est un contexte de vie, un contexte de socialisation qui est constitué de tout un tas de pratiques parentales qui vont influencer, au-delà des ressources économiques, qui vont influencer l'acquisition d'un ensemble de dispositions culturelles qui sont plus ou moins éloignées des attendus scolaires. Alors, ce capital culturel, il est composé, donc, comme on a parlé tout à l'heure, Alex de Carvalho, des façons de parler, des façons de se tenir, d'un ensemble de connaissances qui vont être plus ou moins en adéquation avec
les attentes de l'école. Et c'est très important puisque cette approche, elle est tout à fait compatible avec le postulat d'éducabilité dont nous a parlé le professeur Oudé, puisqu'elle considère que si les enfants de milieux populaires ne réussissent pas à l'école, c'est pas parce qu'ils seraient déficients d'un point de vue génétique ou en raison d'un handicap de leur famille qui ne leur permettrait pas de développer des capacités, mais bien parce que, en fait, les dispositions qu'ils emmènent avec eux dans la classe sont plus ou moins en adéquation avec ce qui est attendu d'eux. Alors, on le sait, hein, il y a ces pratiques de socialisation, c'est le fait de la probabilité d'aller à la bibliothèque, au musée, le nombre de livres qu'on possède chez soi, la fréquence et la durée des activités de lecture partagée, toutes ces activités, eh bien, elles confèrent des savoirs et des connaissances qui sont très rentables pour l'école. Et au-delà de ces activités, on va dire presque scolaires, il y a tout un tas d'activités dont mon collègue a parlé avant, que certains sociologues appellent la pédagogisation de la vie quotidienne. Quand on met le couvert, on va demander à nos enfants combien il y a d'invités, est-ce que tu as bien mis le bon nombre de fourchettes autour de la table. Ces activités du quotidien, elles vont aussi développer des compétences qui vont être très utiles pour les enfants. Alors, ces différences de socialisation qui donnent lieu à des différences de capital culturel, elles ont un impact bien évidemment académique puisqu'elles permettent aux élèves d'arriver en classe avec une plus ou moins grande familiarité vis-à-vis des tâches qui leur sont demandées, mais et donc de réaliser ce que l'enseignant demande avec une plus ou moins grande aisance. Mais au-delà des différences, on va dire, purement académiques, eh bien, on va voir qu'il y a aussi un impact psychologique, puisque, comme dans notre partie de Monopoly, très rapidement, eh bien, ces différences-là vont amener certains élèves, ceux qui sont les moins familiers des savoirs, à se percevoir incompétents et à amener ceux qui, au contraire, ont un peu une longueur d'avance, si on peut dire, à se percevoir plus compétents que les autres. Et on sait aujourd'hui, il y a des dizaines d'années de recherche en psychologie qui montrent que le sentiment de compétence ou d'incompétence, eh bien, il impacte au niveau psychologique, l'engagement dans la tâche, la résilience face à l'effort, etc. Et que c'est très très important dans la performance et les apprentissages. Alors, j'imagine que vous avez tous en tête cette situation où un enseignant pose une question à la classe. Imaginons, voilà, rentrer en CP, l'enseignant qui s'adresse à la classe et qui va demander aux enfants s'ils connaissent cette lettre ou ce son. Très rapidement, vous allez avoir des mains qui vont se lever plus ou moins rapidement. Et dans un article récemment publié avec un collègue de l'Université de New York, on montre que, en s'appuyant sur tout un tas de travaux en psychologie cognitive, du développement et social, que en fait, les enfants très tôt perçoivent ces différences de réussite dans la classe et cherchent à les expliquer. Et ce qui ressort de cet ensemble d'études, c'est que les explications qu'ils génèrent ont beaucoup plus à voir avec justement les qualités intrinsèques de l'élève. Ils vont davantage avoir tendance à expliquer ces différences de réussite comme le produit de différences de capacité, de motivation, plutôt que aller chercher des causes externes. Alors, bien évidemment, c'est lié à la façon dont le système cognitif fonctionne, les propriétés du système attentionnel, de la mémoire à long terme, font que ce type d'explications sont plus facilement accessibles, mais il y a également des raisons culturelles, comme la croyance en la méritocratie, par exemple. Et donc, c'est important puisqu'en fait, le fait d'expliquer les écarts de réussite qu'on voit dans la classe avant tout comme des différences de réussite de capacité individuelle, ça va avoir une influence sur la façon dont les élèves en fait, vont s'engager dans les tâches et vont réussir. Donc la série d'études, enfin les travaux que je réalise, et je vais vous en présenter une petite partie aujourd'hui, eh bien, partent de l'hypothèse générale que, bien évidemment, qu'il existe des inégalités initiales devant l'école, mais qu'en fait, les situations scolaires, les interactions du quotidien entre les enfants, entre les enseignants et les enfants, vont amplifier ces inégalités, puisqu'elles vont amener, comme dans la partie de Monopoly, à certains enfants à se percevoir plus ou moins compétents. Je vais d'abord vous présenter une première série d'études sur le rôle des comparaisons sociales. La comparaison sociale, elle est quotidienne, elle est omniprésente, que ce soit dans la salle de classe ou dans la vie, dans notre vie d'adulte. Dès qu'on réalise une tâche et qu'on a des gens autour de nous qui réalisent la même tâche, eh bien, de façon automatique, on va s'engager dans un processus de comparaison sociale, et même les êtres humains sont experts à aller chercher des informations dans leur environnement qui leur permet de se comparer en fait à ce que fait autrui, puisque ça nous permet en fait de nous auto-évaluer et d'essayer de connaître un petit peu notre niveau de compétence. Alors ces comparaisons sociales dans la classe, elles sont très importantes, les mains qui se lèvent, les feedbacks de l'enseignant, le fait d'afficher des notes, etc., des commentaires oraux. Et il y a un ensemble de travaux qui montrent que le fait de voir quelqu'un d'autre réussir mieux que soi, ça a tendance à être menaçant pour l'image de soi.
Alors, sous certaines conditions, ça peut être inspirant. Je pourrais éventuellement en parler après, mais d'une manière générale, quand on voit quelqu'un qui réussit mieux que nous, ça a tendance plutôt à nous menacer. Alors, ce sentiment de menace, il se traduit par du stress, des émotions négatives qui vont être coûteuses, en fait, pour les ressources attentionnelles et qui vont avoir tendance à détériorer le niveau de performance qu'on a à une tâche. Donc, l'hypothèse qu'on a faite dans cette première série d'études, c'est que, en raison justement de cette plus faible familiarité vis-à-vis des codes scolaires, vis-à-vis des savoirs scolaires, eh bien, les élèves de milieu populaire ont une plus grande probabilité de faire l'expérience de ces comparaisons menaçantes dans la salle de classe. Autrement dit, voilà, le fait de voir réussir les autres mieux que soi, ce n'est pas une expérience qui est répartie aléatoirement dans la salle de classe, mais qui est bien en partie liée en fait, à l'origine sociale, non pas à cause de l'école, mais bien à cause de ce qui se passe en dehors de l'école, mais qui n'est pas rendu visible dans la salle de classe. Alors, donc là, l'hypothèse qu'on a voulu tester, c'est que finalement, ces élèves qui arrivent à l'école en ayant une plus faible familiarité vis-à-vis des savoirs scolaires, quand ils vont voir les autres réussir mieux qu'eux dans la classe, eh bien, ils vont se percevoir incompétents. Et ce sentiment d'incompétence, qui se traduit donc par du stress, des émotions négatives, va détériorer le niveau de performance à la tâche. Alors, pour tester cette hypothèse, on a utilisé la démarche expérimentale dans des vraies classes avec des vrais enfants, donc dans 40 classes de 6e de l'Académie de Poitiers. Et pour cela, on a utilisé des évaluations nationales standardisées de 6e, donc une tâche de lecture-compréhension. Les élèves doivent lire un texte et puis ensuite, on leur pose un certain nombre de questions qui vont être affichées au tableau. Donc on standardise au maximum le protocole pour que ça se passe exactement de la même façon dans toutes les classes. Et une fois que les élèves avaient donc lu le texte, on leur affichait successivement 15 questions au tableau pendant un temps limité. Donc ce qu'on a manipulé dans cette expérience, c'est la comparaison sociale. On a forcé dans une moitié des classes de la comparaison sociale entre les élèves et dans une condition contrôle, on a fait en sorte de minimiser au maximum ces comparaisons. Comment on a fait ? Eh bien, dans la condition comparaison sociale, donc ça va être les barres rouges, en fait, on a demandé tout simplement aux élèves, à chaque fois que vous avez terminé de répondre une question avant le temps qui est imparti, vous allez lever la main. Voilà, une pratique qui est très courante en classe. Et pour la condition contrôle, on a demandé aux élèves, eh bien, si jamais vous avez terminé de répondre à la question avant le temps, surtout, ne levez pas la main, ne dites pas « j'ai terminé », vous attendez que la prochaine question arrive. Alors, bien sûr, on a minimisé au maximum, mais c'est des élèves dans des vraies classes, donc ils ont déjà une petite idée du niveau des uns et des autres, mais en tout cas, on a essayé de ne pas rendre saillantes ces différences de réussite. Alors, ce qu'on voit, donc en abscisse, vous avez l'origine sociale, donc SSE, c'est statut socio-économique faible. On voit que, d'une manière générale, les enfants de milieux populaires, de statut socio-économique faible, ont une plus faible performance que les enfants de milieux plus favorisés, mais on voit que cet écart de performance, en fait, il est plus grand dans la situation de comparaison sociale. Notre hypothèse, qu'on ne prouve pas dans cette étude, et je vais vous montrer les études qu'on a fait après, c'est que s'ils réussissent moins bien dans la situation de comparaison sociale, c'est que cette comparaison, justement, eh bien, elle génère du stress, des émotions négatives qui vont en fait être coûteuses pour leur fonctionnement cognitif. Notre deuxième étape, ça a été aussi de se dire, bon, là, l'origine sociale, elle est mesurée, mais en fait, nous, ce qu'on voulait prouver, c'était le rôle causal joué par ces différences de familiarité devant un nouvel apprentissage. Et donc, on a fait une deuxième étude, on a voulu manipuler expérimentalement ces différences de familiarité vis-à-vis d'un nouveau savoir. Ce qu'on ne peut pas faire quand on mesure l'origine sociale, c'est confondu avec les ressources économiques, le métier des parents, il y a tout un tas de variables qui covarient. Et donc, nous, on voulait vraiment isoler ce qui, selon nous, en tout cas, dans la comparaison sociale, joue un rôle. Et donc, pour ça, il fallait créer un nouvel apprentissage pour lequel, eh bien, l'origine sociale, le niveau scolaire, ne conférerait pas un avantage. Et donc, il fallait créer quelque chose de complètement nouveau. Donc, pour ça, eh bien, on a créé un nouveau système d'écriture qui associait des lettres et des symboles. Et on a plus ou moins entraîné les élèves à maîtriser ce nouveau système d'écriture. Donc, en fait, les élèves avaient des petits carnets et puis ils devaient s'entraîner pendant 45 minutes avec un modèle sur leur gauche à recopier les symboles qui allaient avec les lettres pour se familiariser à ce nouveau système d'écriture. Et donc, pour les familiariser plus ou moins, eh bien, on a utilisé une autre tâche de calcul très simple qui n'avait rien à voir, mais en fait, qui permettait de manipuler la proportion avec laquelle était présente la tâche d'intérêt, c'est-à-dire la tâche qui permettait d'apprendre le codage. En gros, on a essayé de recréer 10 ans de socialisation familiale en 45 minutes dans une séance de classe pour pouvoir manipuler justement les avantages et désavantages culturels.
Et donc, à la fin de cette séance, on avait un groupe qu'on qualifie de désavantagé, qu'on avait mis expérimentalement en difficulté, et en fait, qui ne faisait la tâche de codage qu'une fois sur quatre. Et donc, on avait prétesté, on voyait qu'à la fin de la séance des 45 minutes, eh bien, ils ne maîtrisaient pas ce nouveau système d'écriture. Pour l'autre groupe, en revanche, trois exercices sur quatre, c'était la tâche de codage, et on a vérifié qu'effectivement, eh bien, à la fin de ce temps, ils avaient un niveau d'aisance qui était bien plus élevé que les autres. Ensuite, on leur proposait ce qu'on appelait une évaluation, c'est-à-dire qu'on leur proposait des paires de mots affichées au tableau, et ils devaient coder ces paires de mots en utilisant le nouveau système d'écriture, mais cette fois-ci sans le modèle, bien évidemment. Alors ce qu'on voit, donc vous avez la performance obtenue à la tâche en ordonnée, ce qu'on voit tout d'abord, c'est que bien évidemment, les élèves qui ont été expérimentalement avantagés réussissent mieux que ceux qui ont été expérimentalement désavantagés, mais on voit que, si on regarde les deux barres de gauche, que pour un même niveau de difficulté, ceux qui se retrouvent en comparaison avec les autres, eh bien, réussissent moins bien que ceux qui n'ont pas pu se comparer avec les autres. Donc là encore, notre hypothèse, c'est que d'où vient cet écart de réussite ? Eh bien, il est lié en fait au sentiment d'incompétence qui est produit par en fait cette comparaison sociale. Et donc, pour prouver un peu cette hypothèse que c'est bien le sentiment d'incompétence et le fait de se penser comme moins intelligent qui produit ces effets, eh bien, on a fait une troisième étude où on a manipulé expérimentalement les explications que vont générer les élèves sur ces différences de réussite. Alors, je ne vous ai pas présenté toute la procédure et les graphiques parce que 20 minutes, je voulais aller droit au but, mais ce qu'on peut retenir de cette expérience, c'est que, en fait, quand on amène les élèves à expliquer les écarts de réussite dans la classe, non plus comme des différences de capacité individuelle, mais comme étant le produit de différences d'entraînement, en gros, on rend saillant la manipulation expérimentale, eh bien, la comparaison sociale n'a plus d'effet négatif sur les performances. Donc, ce n'est pas le fait de voir les autres réussir mieux en soi qui est menaçant, c'est le fait d'expliquer ces différences, en fait, comme le fait les autres réussissent mieux que moi, donc ça veut dire que je suis moins intelligent. C'est vraiment ça qui est problème. Hein. Ce que certains appellent la métacognition, c'est vraiment, ça rentre dans la métacognition sociale, c'est la façon dont j'explique, dont j'interprète ce qui m'est donné à voir dans la classe. Alors, dans la deuxième partie de ma présentation, je vais vous parler de ce phénomène, mais beaucoup plus tôt à l'école primaire, en fait, puisque après avoir fait ça, je me suis dit ces phénomènes, ils existent très tôt en fait dans la classe, dès l'entrée à l'école maternelle. Et on est en train de mener une série d'études là qui est financée par l'ANR, dont Teresa qui est là fait partie. Elle est dans le projet ANR, Teresa Ioculano, donc du laboratoire du LabSidé. Et donc dans cette étude, on s'est intéressé, on s'est posé la question pourquoi alors que on sait que donc il y a ces différences qui sont visibles très tôt, mais l'école maternelle, elle est vraiment construite autour de cette idée qu'on va réduire en fait ces différences à travers le langage oral. Donc, on en a eu un aperçu de comment faire juste avant. Moi, je ne vais pas vous parler du comment faire, donc ça tombe très bien que mon collègue en ait parlé. Moi, j'essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en fait dans les interactions quotidiennes qui font que, eh bien, quand on regarde les données de l'ADEP, eh bien, on voit qu'en CP, ces inégalités, elles existent toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe puisque on a des enseignants, on a une institution qui en fait, est tournée vers le fait de réduire ces inégalités. Et les enseignants qui vont dans la classe, ils vont bien tous les jours avec cette idée de réduire les inégalités. Mais pourtant, on voit qu'à l'entrée en CP, ces inégalités, elles existent toujours. Et donc, l'hypothèse qu'on a faite, c'est que, en fait, dans toutes ces situations de langage oral qui existent dans la classe et qui sont très nombreux, probablement, pour les raisons que j'ai déjà pu évoquer tout à l'heure de différence de familiarité vis-à-vis des savoirs, eh bien, c'est que ces séances ne seraient sans doute pas bénéfiques de la même façon à tout le monde. Autrement dit, que ces situations langagière, elle ne permettrait pas la même participation orale de tous les élèves. Donc, pour examiner cette hypothèse, en fait, on a réalisé des observations vidéo dans des vraies classes d'école maternelle. On a fait ça en partenariat, c'est un dispositif qui est très intrusif, donc on a fait ça bien évidemment en partenariat avec le rectorat de Poitiers, avec les cadres d'AZEN et puis l'ensemble des inspecteurs, des inspectrices et des enseignants qui ont bien voulu participer. Pour l'instant, on a un échantillon modeste parce que c'est très très long à obtenir comme données et surtout très long à coder, parce qu'on a plusieurs dizaines d'heures d'observation. Et donc, en fait, on a filmé tous les moments d'échange collectif. Alors, ça se présente comment ? En fait, c'est un laboratoire portable où vous avez de 4 à 6 caméras, ce qui permet d'avoir un panorama à 360 degrés en fait, de la salle de classe. Et ensuite, eh bien, ces observations elles sont synchronisées et on peut les coder. On peut coder de façon extrêmement précise quel élève parle,
combien de temps? Est-ce qu'il parle parce qu'il a pris spontanément la parole? Est-ce qu'il parle parce qu'il a été interrogé? Est-ce qu'il a coupé la parole? Etc. etc. Alors là, je vous présente juste un échantillon de quelques résultats. C'est des résultats qui ne sont pas encore publiés. Mais en fait, voilà, il y a tout un tas d'autres données. On s'est aussi intéressé aux inégalités de genre, parce qu'on voit aussi qu'il y a des différences de participation entre les filles et les garçons, notamment en fonction de la thématique. Quand on parle de mathématiques, même en maternelle, vous allez voir que, enfin je vous le dis parce que c'est pas ce que je présente après, mais en fait les filles ont tendance à moins s'exprimer quand on fait des maths en séance comme ça de langage que lorsqu'on fait quelque chose autour de la littérature. Donc, dans cette étude, voilà, on a une centaine d'élèves et puis on a fait des mesures répétées. On a fait à peu près 5 jours d'observation complète dans chaque classe et on a donc plusieurs dizaines d'heures d'observation qu'on a double codées. On a fait des codages indépendants. Donc, je vous le dis, ça représente à peu près 3 années de travail. On n'avait pas le financement à l'époque. Maintenant qu'on a le financement ANR, on est très content parce que ça permet un peu de passer à la vitesse au-dessus et d'aller faire ça dans un plus grand nombre de classes. Alors, je vais simplement présenter quelques résultats préliminaires que j'ai sélectionnés. Si on regarde du côté des prises de parole sollicitées par l'enseignant, donc quels sont les enfants qui sont interrogés dans la classe en termes de fréquence et en termes de durée. Le pattern de résultats qui émerge, c'est que les enfants de milieu populaire sont moins sollicités pour prendre la parole que les enfants de milieu favorisé. Alors, bien évidemment, on sait que ce n'est pas intentionnel et que ça se passe complètement en dehors de toute volonté, mais en fait, ces différences de familiarité font que pour le bon déroulement de la séance, on a davantage tendance à interroger les élèves qui sont davantage familiers des savoirs, des postures langagières, en fait, qui sont utiles au bon déroulement de la séance. Et ça, on voit que c'est à la fois en termes de fréquence et de durée. Quand les enfants de milieu favorisé prennent la parole, ils la gardent plus longtemps, ils parlent davantage. Si on regarde maintenant les prises de parole non sollicitées, alors quand on publiera cet article, j'espère que ça va arriver bientôt, vous pourrez aller voir des résultats plus détaillés. Là, on a agrégé plusieurs indicateurs. On a agrégé quand les enfants coupent la parole à l'enseignant, quand ils coupent la parole à un autre élève ou quand ils s'expriment spontanément, par exemple, quand une question est posée à la salle. On a exactement le même pattern de résultats. On voit que ce soit en termes de fréquence, les enfants de milieu favorisé ont tendance à davantage se saisir de la parole, saisir les opportunités de prise de parole. Et quand ils parlent, ils vont garder la parole plus longtemps. Alors, ces résultats nous semblent intéressants puisqu'ils montrent ils nous montrent que c'est finalement ces situations qui sont censées normalement réduire ces inégalités, en fait, elles ont tendance à davantage profiter aux élèves qui arrivent un petit peu avec une longueur d'avance. Bien évidemment, c'est pas intentionnel, mais ça nous semble important de mettre en évidence ces résultats pour en prendre conscience et pour agir dessus. Donc, c'est un peu les perspectives qu'on a en ce moment. Donc, on est en train de répliquer cette étude sur 20 classes de l'Académie de Poitiers. On a une ingénieure d'études qui travaille à temps complet sur ce dispositif. Et on s'intéresse aussi à une perspective développementale pour voir comment ça évolue entre le début de la petite section et la fin de la grande section pour voir si, quand même, ces inégalités, elles existent toujours en CP, d'accord, mais peut-être quand même qu'elles sont moins importantes en fin de grande section qu'en petite section, et c'est ça qu'on voudrait examiner. Et puis, comme je l'ai dit, on s'intéresse également aux effets du genre, et bien évidemment, on est en train de réfléchir à une intervention à destination des enseignants qui pourrait en fait permettre de réduire, à travers des pratiques peut-être différentes, le fait que certains élèves parlent plus que d'autres. Donc en conclusion, cette série de travaux, ce qui me semblait important de résumer, c'est qu'on sait qu'il y a des inégalités initiales face à l'école, mais en fait on se rend compte que les interactions qui ont lieu dans la classe au quotidien peuvent plus ou moins amplifier ces inégalités. Il y a tout un tas d'autres travaux en psychologie sur l'effet des stéréotypes, sur l'effet de la coopération ou de la compétition qui vont vraiment dans le même sens, qui montrent que certains contextes creusent les inégalités par rapport à d'autres. Voilà. Et la deuxième élément, c'est que le rôle, ce qu'on appelle la métacognition, la cognition sociale, la façon dont les enfants expliquent en fait ce qui est donné à voir dans la classe, elle joue aussi un rôle crucial. Et donc, c'est un levier d'intervention qui est très prometteur pour pouvoir en fait essayer de réduire ces inégalités. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup Sébastien pour cette intervention passionnante. Alors, nous avons une question. Je suis enseignante en lycée. Je fais beaucoup interagir mes élèves entre eux durant leurs apprentissages. Ils doivent par exemple résoudre un problème en équipe. Pensez-vous que les interactions entre pairs avantagent l'apprentissage ?
Alors, merci pour cette question. Oui, il y a des travaux qui s'intéressent à l'effet de la coopération sur les performances et qui montrent que ce n'est pas si simple que ça, dans le sens où, en fait, il ne suffit pas de mettre des élèves ensemble pour qu'ils coopèrent. Il y a des conditions, en fait, qui sont favorables à la coopération et, en fait, à l'apprentissage de tout le monde. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces travaux, mais les travaux, notamment sur le conflit socio-cognitif, montre que, eh bien, on peut essayer d'élaborer des tâches qui vont à un moment donné mettre les élèves en désaccord et que la résolution de ce désaccord, en fait, est extrêmement bénéfique d'un point de vue cognitif à l'apprentissage. Il y a aussi le fait d'attribuer des rôles, par exemple, différents aux élèves et notamment peut-être des rôles qui prennent en compte justement leur niveau de familiarité, de compétence dans une tâche. C'est-à-dire que si je pense, j'ai eu le cas l'autre jour dans une classe en fait, dans le cadre d'une visite d'enseignante où en fait l'élève qui devait faire un exposé oral devant la classe était en difficulté parce que déjà c'était un élève qui avait des difficultés à l'oral et donc peut-être que dans un exercice de groupe qui aboutit à un exposé, peut-être qu'on peut penser la répartition des tâches d'une façon à ce que eh bien, les élèves qui sont peut-être le plus en difficulté n'aient pas les tâches qui nécessitent déjà d'avoir automatisé un certain nombre de compétences. D'accord, merci. As-tu une piste à proposer aux enseignants pour limiter ce biais et ces inégalités ? Alors, à mon avis, là, c'est une grande question. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà avoir des recommandations qui sont basées sur les preuves, hein, sur la science. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça d'obtenir des résultats valides quand on fait des expérimentations à grande échelle. Donc, il faut être très prudent. Maintenant, il y a un ensemble de travaux, effectivement, qui montrent quand même qu'il y a des pistes qui semblent intéressantes. Voilà, agir sur les... Il y a des travaux, par exemple, qui se sont intéressés au rôle de l'échec, la façon dont on interprète l'échec et la difficulté. Le fait d'interpréter la difficulté comme, par exemple, une étape normale du processus d'apprentissage et pas comme le signe en fait, d'une limitation personnelle, eh bien, ça a des effets bénéfiques sur les performances. Favoriser effectivement peut-être la coopération quand c'est possible. Il y a des travaux aussi qui sont menés notamment par, on en parlait tout à l'heure, sur les théories de l'intelligence, hein, le fait d'amener les élèves à avoir une conception malléable des capacités plutôt que fixe. Ça, c'est des pistes qui sont très prometteuses. Mais voilà, ça passe, je pense, avant tout par la formation des enseignants. C'est vrai que on sait que les enseignants, dans une classe, ils ont énormément de choses à gérer. Et je pense que voilà, c'est fondamental qu'ils soient formés à ce type de travaux pour pouvoir ensuite, effectivement, mettre en œuvre éventuellement. Et c'est important parce que quand on dit ça, ce qui se passe dans la salle de classe est important pour comprendre. Mais bien évidemment, ce qui se passe dans la salle de classe est aussi déterminé par des logiques institutionnelles, des croyances culturelles, hein, la croyance dans le mérite individuel, qui dépasse bien largement la responsabilité des enseignants. Donc, ce n'est pas toujours évident entre pointer le doigt sur les mécanismes qui creusent des inégalités, mais sans culpabiliser les gens et en leur faisant prendre conscience qu'il y a quand même des leviers d'action possibles, voilà, par la formation notamment. Alors je me permets de poser une question moi-même, mais est-ce que tu penses que justement travailler peut-être sur la conception dynamique de l'intelligence pourrait au contraire provoquer un effet inverse de la comparaison sociale? Si tu considères que c'est tes efforts qui te permettent d'être efficace dans un exercice, est-ce que tu pourrais avoir du coup un effet de la comparaison sociale, voir les autres progresser à réussir la tâche et du coup avoir du coup finalement un boost grâce à la comparaison sociale? Oui, bah en fait, il y a des travaux qui le montrent, il y a des travaux qui existent, qui montrent effectivement que, en fait, quand on amène à avoir une conception malléable des différences individuelles, eh bien, le fait de voir les autres mieux réussir, en fait, ça a un effet bénéfique sur la confiance en soi et sur la performance. Alors, en éducation, mais dans d'autres domaines, ça a été montré dans le domaine de la santé, par exemple, que ça avait aussi des effets qui étaient bénéfiques sur des gens qui sont malades, par exemple, et dans le domaine du travail, du sport, il y a vraiment un ensemble de travaux qui montrent. Alors, j'ai des collègues qui me diraient ça a une limite qui est que, ben, du coup, si je fais des efforts mais que j'y arrive pas, ça peut avoir un effet boomerang négatif. Mais c'est souvent parce que souvent l'effort aussi est perçu comme quelque chose de fixe. Et en fait, on peut aussi concevoir l'effort comme quelque chose de malléable qui peut être lié aussi à des contextes, à des situations. C'est-à-dire qu'il y a des situations, il y a des contextes qui vont amener les élèves à engager plus ou moins d'efforts. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui privilégient plutôt réinterpréter la difficulté, l'échec comme quelque chose de transitoire, comme une étape passagère. Et ça a vraiment des effets bénéfiques. Alors, on te demande de préciser qu'est-ce que la métacognition sociale ?
Alors, je dis métacognition sociale, alors c'est pas moi, ce terme n'est pas de moi, mais c'est vrai que quand on parle de métacognition en psychologie cognitive, on parle plutôt des connaissances qu'ont les enfants sur le processus d'apprentissage ou des phénomènes de régulation, en fait, de sa capacité à contrôler, à s'engager dans une tâche. Et moi, j'utilise le terme métacognition sociale pour faire référence à un autre domaine de la métacognition qui est plutôt comment je perçois justement les différences de réussite dans la classe. Donc voilà, comment je perçois un peu le social, enfin moi, dans mes relations avec le social. Au collège, pensez-vous que des travaux en groupe genré, notamment en maths, pourraient avoir un intérêt? Alors, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que je ne connais pas de travaux qui ont testé cette question, mais que globalement, les travaux sur les grouping ability, par exemple, aux États-Unis, montrent que en fait, le fait de mettre les gens en groupe sur une caractéristique catégorielle a plutôt tendance à creuser les écarts entre les catégories. Par exemple, le fait de faire des groupes entre des élèves qui seraient forts et des élèves qui seraient faibles a tendance plutôt à creuser l'écart et justement à développer une conception fixe des habilités. Donc ça, c'est des travaux de mon collègue là, André Issipian, dont je parlais, qui est en train de montrer ça là, récemment. Donc on peut imaginer que peut-être faire la même chose sur des catégories de genre, ça pourrait peut-être avoir finalement amener les élèves à avoir une conception du genre avec l'idée que peut-être les filles auraient des habilités différentes qu'en maths, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça a été rappelé, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. En fait, ces stéréotypes de genre, ils n'ont aucun fondement scientifique. Donc voilà, bon, je suis prudent parce que je ne connais pas de travaux qui ont testé cette question-là, mais ma réponse, ça serait plutôt de dire non. Voilà. Alors, votre approche ne risque-t-elle pas d'encourager les groupes de niveau ou de regroupement de non-mixité sociale ? Alors, c'est une question qui m'est régulièrement posée, parce que c'est vrai que quelque part, ce que je dis, c'est que la comparaison crée les écarts. En fait, on peut pas arrêter la comparaison. Alors, elle peut être plus ou moins exacerbée dans une salle de classe. Hein. On n'est pas obligé de rendre les notes à voix haute dans l'ordre, mais on ne supprimera jamais la comparaison sociale. Donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est que la non-mixité a aussi des conséquences très négatives. Ça a également été montré. Donc, ce n'est pas du tout une recommandation de faire de la non-mixité. Je pense qu'il faut vraiment agir sur ce que je disais, la métacognition, la façon dont les élèves, dont les enseignants vont expliquer les écarts de réussite dans la classe. Et c'est une lourde tâche parce que les enfants passent des heures dans la classe, mais ils sont aussi socialisés dans des espaces extérieurs, dans la famille. Et donc, en fait, si on veut vraiment être efficace, c'est des choses qu'il faudrait aussi travailler en lien avec les familles, hein, pour vraiment en fait, avoir une action qui est plus forte. Alors, je pense qu'on va passer. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle qu'on pourrait... Ah, Catherine, j'arrive. Je vais te tendre le micro. Donc, Catherine Musset, présidente de Nathan. Bonjour, donc merci pour votre présentation. Vous avez évoqué des comparaisons avec les États-Unis ou une étude faite aussi à New York. Mais est-ce que vous avez des hypothèses ou des explications sur le fait que l'école française semble, disons, moins réduire les inégalités ou plus la creuser que d'autres écoles? Alors c'est très difficile de répondre à cette question puisqu'on est sur des corrélations et donc c'est difficile d'identifier les variables qui jouent un rôle. Elles sont forcément très nombreuses. Quand on regarde les comparaisons internationales et notamment celles effectuées dans le cadre des études PISA, on voit qu'il y a des choses qui covarient. Maintenant, voilà, de là à dire que c'est ça qui est responsable, il y a des choses sur effectivement ces éléments de comparaison et de compétition. En fait, par exemple, dans les pays du Nord, il y a pas de notes, il y a très peu de sélection. Enfin, on repousse au plus tard la sélection, ça se traduit aussi par des différences justement de confiance en soi dans les élèves. Dans les dernières études PISA, il y a des mesures de confiance en soi, et c'est assez corrélé en fait. Après, il y a aussi une particularité qui est vraiment économique, c'est qu'en fait, quand on compare par rapport à l'Allemagne, par exemple, le lien diplôme-emploi est beaucoup plus serré en France qu'en Allemagne ou dans le pays. Donc finalement, il y a une pression sur les élèves à réussir peut-être, puisqu'on sait que sans diplôme, on a quand même beaucoup moins de chances d'avoir un métier qui nous plaît. Donc il y a sans doute des éléments structurels aussi dans le lien de diplôme-emploi qui fait que, en fait, être en échec à l'école, ça a peut-être des conséquences plus graves dans notre pays que dans d'autres pays. Voilà.
On va prendre une dernière question. J'ai vu qu'Olivier, vous aviez levé la main. Non. C'était juste pour indiquer, c'est ça? J'ai trouvé votre exposé fantastique. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci Sébastien. Merci encore pour cette invitation. On va t'applaudir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Donc, on remercie Sébastien et maintenant, je vais appeler Irène Altarelli, qui est maîtresse de conférence au Laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, spécialiste de l'apprentissage de la lecture notamment, et qui va nous parler des inégalités dans l'apprentissage de la lecture chez l'enfant. Mais tu vas attendre juste une petite seconde que je change les petits... Si Anya arrive à ouvrir ce... Voilà. Merci beaucoup Grégoire. Donc bonjour à tous et toutes, à ceux qui êtes ici avec nous et ceux qui êtes connectés sur Zoom. C'est un grand plaisir de participer aujourd'hui à cette belle journée, ce bel après-midi. Donc mon exposé, je crois qu'on est sur la page de fin, mais je vais quand même vous dire quelque chose avant d'en arriver là. Mon exposé, je pense, va s'inscrire parfaitement dans la continuité de tout ce qui a été dit jusque-là. Je vais reprendre certains des éléments et j'ai la chance d'arriver après des exposés très intéressants sur notamment des compétences de langage oral, des compétences sociales, etc., pour vous parler de l'apprentissage de la lecture. Et je vais commencer, je pense, par... un constat qui est un petit peu déprimant, mais j'espère vous donner une lueur d'espoir vers la fin de l'exposé avec des propositions de remédiation. Alors la lecture, on le sait malheureusement, c'est quelque chose qui est caractérisé par des inégalités majeures, et donc je montre exactement comme ça a été cité quelques secondes avant moi, les résultats de l'étude PISA, donc en l'occurrence cette grande étude que vous connaissez sans doute tous, qui évalue des adolescents de 15 ans dans différentes compétences scolaires dans différents pays. Et pour ce qui est des performances de lecture, on relève qu'il existe malheureusement de grandes différences dans les performances moyennes que montrent en lecture des adolescents de 15 ans au travers de différents pays. Donc non seulement il existe des différences au travers de différents pays, mais il existe aussi des différences au sein de certains pays. Et dans ce sens-là, la France est malheureusement une très mauvaise élève, puisque une partie de la variabilité des scores de lecture est expliquée par le niveau socio-économique des familles dont sont issus les adolescents. Alors évidemment, c'est un problème majeur. On peut s'interroger sur le fait que ces résultats représentent finalement une photographie des compétences des adolescents à un moment, mais on peut s'interroger sur la dynamique et sur l'émergence donc de ce résultat, et on peut essayer d'aller un peu au-delà du résultat simple et donc de la seule photographie que nous apportent les résultats de PISA et essayer de voir qu'est-ce qu'on obtient si on prend plusieurs photographies au lieu d'une seule. Et donc c'est ce qui a été réalisé par les auteurs de cette étude, donc Von Hippel et collaborateurs en 2018, qui, eux, aux États-Unis, ont suivi une cohorte d'enfants, une grande cohorte d'enfants, à différents moments du CP et du CE1, et ont ainsi montré qu'en fait, lorsqu'on regarde les scores de lecture et qu'on compare ces scores entre groupes de différents niveaux socio-économiques, ben finalement, on constate une certaine stabilité. Donc, les compétences à l'entrée au CP, finalement, sont maintenues un peu telles quelles lorsqu'on compare ces groupes au travers du CP et jusqu'à la fin du CE1. Alors, vous le savez, la lecture est importante en soi, et je suis bien placée pour le dire puisque c'est quelque chose que j'étudie depuis des années, mais la lecture, elle est aussi très importante pour les apprentissages ultérieurs. On considère que c'est la colonne vertébrale des apprentissages scolaires, et donc cet ensemble de photographies au début de la scolarité nous montre qu'il y a une certaine stabilité des scores, mais évidemment, ça... Disons, ce qui est aussi possible et ce qui est constaté dans un certain nombre d'études, c'est que finalement, ces écarts se creusent au cours du temps, puisque justement, il faut pouvoir lire pour apprendre. Et donc, c'est particulièrement important de pouvoir bien enseigner la lecture. Alors, on a en France ce problème d'inégalité sociale assez fort.
on met également les enfants face à une tâche qui est particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, l'orthographe française est douée de grandes irrégularités. Alors, on peut faire pire, il y a l'anglais, qui est toujours là comme un phare pour nous montrer qu'on peut quand même faire pire. Mais néanmoins, on voit que lorsqu'on compare des enfants en fin de CP sur différentes compétences, dont ce que je vous montre ici, le pourcentage d'erreurs de lecture en fin de CP, on voit qu'il y a une plus grande proportion d'erreurs en fin de CP chez des enfants français par rapport, par exemple, à des enfants locuteurs du finnois, qui est une langue extrêmement transparente. Et de même, on constate que pour ce qui est de la vitesse de lecture en fin de CP, les enfants français ou francophones mettent plus de temps à décoder des items, donc des mots ou des non-mots, des mots inventés, par rapport à leurs collègues donc finlandais, néerlandais, etc. Donc on les met face à une tâche qui est particulièrement difficile, et je pense qu'il est aussi important de souligner qu'on met aussi les enseignants et les enseignantes face à une tâche particulièrement difficile au sein du système scolaire. Alors on peut se demander d'où viennent les inégalités qu'on constate, et évidemment je ne vais pas apporter de réponse aujourd'hui puisque c'est une question extrêmement complexe, et on a eu un éclairage très intéressant par Sébastien Goudeau avant moi sur la part d'inégalités sociales et leur rôle dans l'émergence de certaines inégalités scolaires. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux apporter pour donner un éclairage cognitif à ces différences et donc apporter une petite pierre à l'édifice de la compréhension de l'origine de ces inégalités, c'est qu'il y a plusieurs sources qui ont été identifiées jusqu'à présent. Une de ces sources, c'est le temps qui est consacré à l'apprentissage de la lecture, ici, à la première étape de l'apprentissage de la lecture, qui est l'apprentissage du décodage. Évidemment, ce n'est pas la fin ultime de la lecture. Ce qu'on veut, c'est que les enfants et les adolescents sachent extraire du sens de ce qu'ils lisent, mais néanmoins, pour ce faire, une des étapes fondamentales, c'est justement de savoir décoder. Or, tous les enfants, grosso modo, qui sont scolarisés en CP dans une même classe, vont recevoir le même temps dédié au décodage et au travail sur le code alphabétique, etc. Néanmoins, certains de ces enfants vont avoir besoin de plus de temps pour parcourir chacune des étapes fondamentales pour arriver à maîtriser le code. Il a été évalué donc, par Bruno Suchot et collaborateurs que pour des enfants qui présentent certaines difficultés en CP, on aurait besoin de 30 à 35 heures de temps individuel avec l'enfant pour que celui-ci maîtrise réellement le décodage. Or, on ne propose pas réellement à tous ces enfants 30 à 35 heures de temps individuel, puisque déjà le temps individuel en classe, c'est quelque chose de très rare et d'extrêmement précieux. Et donc, évidemment, il y a des inégalités qui vont émerger de ce point de vue-là, puisque certains enfants vont se contenter, entre guillemets, du temps qui leur est imparti et proposé en classe, alors que d'autres auraient besoin d'un temps supplémentaire et que, de fait, ils ne l'ont pas. Ça, c'est une source possible de variabilité, donc le temps dédié au code et à la lecture. Évidemment, il y a d'autres facteurs en jeu, et la lecture, de fait, c'est une compétence complexe qui repose sur de multiples facteurs cognitifs. Donc, vous avez plusieurs compétences qui sont sollicitées lors de l'apprentissage de la lecture. Vous avez des compétences qui sont très spécifiques. Ça a été évoqué avant moi, donc, par exemple, la conscience phonémique, le fait de savoir représenter, manipuler des sous-unités du langage oral, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour apprendre à lire. Vous avez donc des compétences spécifiques proches du langage oral, mais également des compétences plus générales, comme par exemple, c'est ce que j'indique en bas à gauche, des compétences de fonction exécutive, telles que la mémoire de travail, qui va permettre de maintenir en mémoire des informations alors qu'on les manipule. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les facteurs qui sont en jeu dans la lecture. L'idée ici, c'est vraiment juste de vous faire comprendre que celle-ci repose sur une multitude de compétences cognitives. Et donc, pour chaque individu, vous pouvez avoir une mosaïque de forces et de faiblesses cognitives qui va être différente. Et chaque enfant, de fait, va avoir certaines capacités dans lesquelles il va être un peu meilleur ou un peu plus faible. Et ça va être tout le défi que va constituer ensuite le fait de mettre en place des interventions, repose justement sur le fait que peut-être
pour ces enfants, la manière d'intervenir ne sera pas exactement la même, étant donné leur mosaïque de forces et de faiblesses cognitives. Et là, j'anticipe un peu sur ce que je vais dire plus tard. Donc, je vais vous amener vers ce constat. Donc, une étude qui a été réalisée récemment, dans un groupe particulier qui est un groupe de faibles lecteurs. Donc ici, on s'intéresse à des enfants qui, attention, ne souffrent pas de dyslexie développementale. Donc ils ont des difficultés de lecture qui sont moins sévères par rapport à des enfants dyslexiques. Mais néanmoins, ils présentent un retard de lecture, des difficultés de lecture. La question que se sont posées les auteurs de cette étude, c'est quelles sont les sources cognitives de cette faiblesse en lecture ? Et une hypothèse qu'on aurait pu formuler, c'est que tous ces enfants présentent, grosso modo, des compétences faibles dans un domaine donné. Donc on pourrait imaginer ce schéma avec toute la population que j'ai représentée par des petits bonhommes bordeaux. On pourrait les imaginer tous, par exemple, dans le cercle bleu. Ça voudrait dire que tous ces enfants souffrent de difficultés dans la manipulation des sons du langage. Or, vous le voyez derrière moi, c'est absolument clair. Cette distribution n'est pas concentrée à l'intérieur d'un des cercles, mais elle est distribuée. Donc ça souligne le fait que vous avez un certain nombre d'enfants qui ont effectivement des difficultés à manipuler les sons du langage, mais d'autres qui ont des déficits ou des difficultés en attention visuelle et d'autres encore en dénomination verbale. Donc on voit que cette hétérogénéité donc, qu'on a évoquée tout à l'heure en termes de mosaïque de différentes compétences, elle est effectivement observée dans ce cadre, dans le cadre de ces études, même dans une population qu'on a sélectionnée, qui est une population donc faible lectrice. Donc pour aller plus loin avec ce genre d'études, donc au laboratoire, on mène actuellement une étude large dans laquelle on s'intéresse au profil cognitif d'enfants faibles lecteurs issus de milieux socio-économiques défavorisés, puisque malheureusement on sait, et ça découle de ce que je vous ai montré au début de mon exposé, qu'il y a une surreprésentation de faibles lecteurs en milieux socio-économiques défavorisés. L'idée étant, sur la base donc de différentes compétences cognitives, de dresser des profils et des sous-profils cognitifs. Donc on va avoir une partie de la population qui seront par exemple plus compétents en langage oral ou en fonction exécutive. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça va nous permettre, d'une part, de mieux comprendre quelles sont les briques essentielles pour apprendre à lire, quels sont les chemins que peut prendre un enfant et sur quelles compétences il peut ou doit s'appuyer pour pouvoir apprendre à lire. Donc, d'une part, ça, c'est quelque chose qui a une portée, je pense, de recherche fondamentale qui est importante. D'un autre côté, c'est également très important pour pouvoir proposer des solutions individualisées. Et donc, dans ce contexte, ce qu'il faudrait mettre en place, ce sont des stratégies de remédiation personnalisées qui seraient donc adaptées aux besoins de chaque enfant, donc qui s'appuieraient sur, encore une fois, cette fameuse mosaïque que j'évoquais tout à l'heure. Alors, idéalement, si on raisonne dans l'idéal, il faudrait aussi que ces systèmes de remédiation ils soient ludiques, et motivant, puisqu'on sait que les enfants, donc, lorsqu'ils sont motivés, engagés dans une tâche, eh bien, ils réussissent beaucoup mieux, ils investissent aussi beaucoup plus d'énergie et d'efforts. Il faudrait que ces stratégies ne requièrent pas trop de temps en individuel avec l'enseignant, puisqu'on sait que ce temps est extrêmement précieux, que c'est quelque chose d'une ressource très coûteuse. Et enfin, potentiellement, qu'ils n'engagent pas nécessairement du temps scolaire, puisqu'on l'a vu, ce temps scolaire il est extrêmement limité. Alors, il existe plusieurs solutions possibles. Celle que je vais évoquer aujourd'hui, c'est la solution d'utiliser des outils numériques. Et je tiens à souligner que je ne suis pas en train de vous proposer d'utiliser n'importe quel outil numérique et n'importe quelle application, sinon ça se saurait. Je veux dire, s'il suffisait d'utiliser n'importe quelle application, bon, je pense qu'on ne serait même pas ici en train de discuter aujourd'hui. L'idée, c'est de vous présenter deux applications particulières qui reposent sur certains principes que j'évoquerai à la fin de ma présentation. Alors, premier exemple, c'est une application qui entraîne les correspondances graphème-phonème. Donc, un des processus qui sont impliqués au début de l'apprentissage de la lecture et qui sont fondamentaux pour tout ce qui va venir ensuite. Cette application, donc GraphoLearn, elle a été développée dans différentes langues. Elle est née en Finlande et puis maintenant, elle a été proposée dans différents pays européens. Il y a aussi des études qui sont menées en Afrique
en utilisant donc ce type de logiciel. L'idée, c'est tout simplement de présenter des sons de plus en plus complexes à l'enfant, donc ça peut être des phonèmes au début, et puis on en arrive à des mots, à des phrases, etc., et de guider l'enfant dans le choix de la bonne orthographe. L'étude Princeps, ou une des études Princeps sur cette application, c'est donc une étude finlandaise, vous vous en doutez, puisque l'application a été développée tout d'abord en Finlande. Et donc ici, ce qui a été évalué, c'est l'impact de l'utilisation de cette application dans un contexte dans lequel il y avait une difficulté émergente en lecture, c'est-à-dire les auteurs ont sélectionné des enfants de CP qui présentaient des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Ici aussi, ce sont des difficultés pas forcément très sévères. Toujours est-il que ce qu'ils ont proposé aux enfants, à ces enfants en difficulté, c'est soit ce qui est fait typiquement en Finlande, et donc je ne rentrerai pas dans le détail puisque ça va bien au-delà de l'intérêt de cette journée, mais en tout cas, pour vous donner quelques éléments, ce sont des travaux en petits groupes sur le code, etc. Donc soit les enfants étaient alloués à ce groupe-là, soit ils faisaient la même chose, mais on leur proposait aussi un petit entraînement avec GraphoLearn. Et donc ce qui est observé, et c'est assez impressionnant je pense, c'est que au bout de cet entraînement qui avait lieu au cours du CP, et ce que vous voyez ici, ce sont les données donc à la fin du CP et à la fin du CE1. En fait, à la fin du CE1, le groupe qui avait joué à GraphoLearn ne peut plus être distingué, n'est plus différent des enfants contrôle, donc de ceux qui réussissaient normalement à apprendre à lire dans les mêmes écoles que ceux qui avaient été sélectionnés comme étant faibles lecteurs. Donc ça a gommé les difficultés de ces enfants-là. Alors ici, dans ce type d'exemple, on travaille, vous l'aurez compris, sur des compétences qui sont extrêmement spécifiques. On entraîne les correspondances graphème-phonème, on est au plus près de la lecture. Ce n'est pas la seule solution possible, et c'est la raison pour laquelle je vous présente un deuxième exemple, qui concerne donc un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo sur lequel nous travaillons actuellement avec d'autres membres du laboratoire. Et en fait, le fait qu'il s'agisse d'un jeu vidéo n'est pas un hasard, parce que c'est donc, vous vous en doutez, un support très apprécié des enfants. La caractéristique de ce jeu, c'est qu'il entraîne des compétences de plus haut niveau par rapport à ce qui peut être sollicité par GraphoLearn, et notamment, c'est un entraînement des fonctions exécutives qui prend la forme d'un jeu vidéo dans lequel vous avez plusieurs mini-jeux qui vont aller solliciter différentes composantes donc, et différentes fonctions cognitives. L'avantage de cette structure, c'est que on va pouvoir jouer sur le temps passé dans un certain mini-jeu, la manière dont la difficulté s'accroît pour un mini-jeu versus un autre, afin de pouvoir individualiser l'entraînement. Donc vous imaginez bien qu'un enfant qui a de grosses difficultés, ou en tout cas des difficultés plus importantes en mémoire de travail, passera plus de temps dans les mini-jeux, et il y en aura plusieurs, donc il ne s'ennuiera pas, qui entraînent ce type de fonction cognitive. Les résultats donc, sur une population francophone sont en cours d'acquisition, mais ce qu'on voit déjà, et c'est, j'espère que l'article sera publié bientôt, sur une population italienne, c'est qu'on a des bénéfices qui sont observés non seulement sur les fonctions de haut niveau entraînées, donc on a des bénéfices importants en termes d'attention visuelle, de planification, etc., mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, un transfert sur la vitesse et la précision de lecture. Donc c'est un outil très prometteur et j'espère que dans une prochaine journée, je pourrai vous en dire plus sur des enfants francophones aussi. Donc pour conclure, la direction dans laquelle je suggère qu'on aille, et je ne suis pas la seule évidemment, c'est celle d'une éducation individualisée, personnalisée. Je pense qu'on a là une grande opportunité qui a un potentiel important pour les enfants au développement typique, puisqu'on peut proposer ces outils à des enfants qui apprennent à lire normalement. Évidemment, pour les faibles lecteurs dont je vous ai parlé, et y compris issus de milieux socio-économiques variés, et pour les enfants qui souffrent, de troubles des apprentissages. Alors, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, le design va être important de ce type d'outils, mais évidemment, le contenu aussi. Encore une fois, je ne propose pas l'utilisation de n'importe quel outil numérique pour tous. L'idée, c'est vraiment de se baser sur des connaissances issues des neurosciences cognitives pour construire ces jeux ou ces outils numériques et y mettre les ingrédients essentiels pour l'apprentissage et particulièrement l'apprentissage de la lecture. Et donc, il faut qu'on fasse un effort de développement et d'évaluation de ces outils via, évidemment, des protocoles scientifiques rigoureux, afin, j'espère, un jour, de pouvoir façonner pour chacun le meilleur parcours possible
de manière individualisée. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Irène. Alors, on a déjà une question. On parle de décodage et donc du code. Le code est lié au symbole et donc à la symbolisation. Pourquoi ne pas parler du travail indispensable en maternelle pour développer la symbolisation, le faire semblant, les tracer dessins ou autres, et donc permettre aux enfants d'avoir accès d'abord à la symbolisation pour ensuite leur permettre d'avoir accès au code? La maternelle n'est-il pas le terrain incontournable pour préparer cet accès au code avant que les difficultés n'arrivent? Absolument, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on l'a tous dit de manière diverse et variée, mais finalement la maternelle est très importante. C'est vrai que c'est un grand terrain de préparation à l'entrée à la lecture, et donc le fait de familiariser l'enfant aux lettres, par exemple, on sait que c'est extrêmement important pour qu'il entre de manière performante dans la lecture ensuite. Donc oui, par le biais de différentes activités, on peut entraîner l'enfant dans ce sens, et je pense que ça peut qu'être bénéfique, de fait. Alors, une question autour de GraphoLearn qui aurait été testée largement en France par Ziegler dans le cadre du projet IFRAN, et les résultats ne montrent pas d'amélioration pour le groupe Grapho. Peut-on donc vraiment généraliser les résultats Princeps en Finlande à la France? Alors, c'est une excellente question. En fait, le problème, c'est qu'il existe plusieurs sous-versions de GraphoLearn. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que ce n'est pas très intéressant, je pense. Mais de fait, on s'est, dans les différentes langues, parfois un peu éloigné de la version finlandaise initiale. Et je pense qu'il y a un vrai travail de collaboration et d'unification à faire. Après, il y a peut-être aussi des spécificités de chaque langue. C'est effectivement un entraînement qui est très proche du décodage. Et donc, c'est le lieu dans lequel on peut avoir l'émergence de différences d'une langue à l'autre. Alors, je pense que ça pose de véritables questions. Quelle est la meilleure manière d'entraîner des enfants dans une langue qui est très transparente, donc dans laquelle, finalement, c'est vraiment la vitesse de lecture qui va poser problème, versus une langue dans laquelle, finalement, c'est les correspondances elles-mêmes qui sont difficiles à acquérir. Je pense que ça soulève des questions très intéressantes, donc ce n'est pas une bonne raison de s'arrêter là, je dirais. Le choix de la méthode de lecture peut-il influencer la réduction de ces inégalités? Alors, dans une certaine mesure, oui. C'est sûr qu'on sait aujourd'hui qu'il faut rentrer dans le décodage en enseignant le code en lui-même, et l'ensemble des correspondances graphème-phonème, c'est la manière la plus efficace de rentrer dans l'écrit. Je pense que de ce point de vue-là, les données sont assez claires. Après, la question est subtile, parce que finalement, c'est peut-être la meilleure manière d'apprendre à lire. Est-ce que c'est la meilleure manière de gérer les inégalités? Personnellement, je pense qu'on n'en sait pas encore pour pouvoir répondre à cette question. Et puis, de toute manière, je pense qu'il faut plusieurs types de stratégies différentes pour pouvoir répondre à ce genre de questionnement. On te demande aussi si ces jeux vidéo sont adaptés pour des lycéens. Pas pour l'instant. Dans l'absolu, je pense que tous les principes que j'ai évoqués lors de ma présentation s'appliquent pour tous les âges, en fait, potentiellement. Mais en tout cas, si la question était est-ce que le jeu en particulier que j'ai montré sur l'entraînement des fonctions exécutives est adapté au lycée, je dirais pas encore. Alors moi, j'en profite pour te poser une question. Est-ce que vous avez des données? Tu as montré qu'il y avait différents profils dans les difficultés de lecture. Finalement, avec le jeu Skies of Manawok, est-ce que tu améliores les performances sur la population italienne indépendamment du type de difficulté? Alors, c'est une question à laquelle on va répondre, je pense, par étapes. On n'a pas encore la réponse maintenant. Une des clés pour répondre à cette question, c'est d'analyser ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Enfin, pendant que les enfants jouent, quels sont les leviers importants? C'est-à-dire le fait qu'ils s'améliorent dans une certaine compétence parce qu'ils ont beaucoup joué à ce jeu-là et se sont améliorés dans le jeu, est-ce que ça transfère aussi à des tâches en dehors du jeu? C'est une question qui va nous demander en fait encore beaucoup de travail, parce que d'analyser les données de jeu, c'est compliqué. Et ensuite, la question qui va se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'on propose aux différents profils? Donc ça demande d'identifier ces différents profils, et ça, on est vraiment en train de le faire maintenant. Donc je pense qu'il y a encore du travail pendant plusieurs années.
Vous parlez d'une étude finlandaise, mais c'est une langue très régulière. Qu'en est-il pour la langue française ? L'apprentissage du décodage n'est pas forcément le seul entraînement. Oui, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Beaucoup d'outils de remédiation sont proposés sous forme numérique. Ne pensez-vous pas que cela puisse poser problème, connaissant les problèmes que rencontrent les jeunes et les parents à se détacher des écrans ? Alors, c'est une question récurrente, je dirais. Je pense qu'il y a certaines caractéristiques qui sont très importantes. L'idée, c'est vraiment pas de laisser l'enfant, l'adolescent, tout seul devant son écran à faire « va travailler ta lecture en t'entraînant avec ce jeu ». C'est pas l'idée du tout. Et donc, l'idée, en fait, c'est que ce soit en contexte scolaire ou pas, il faut qu'il y ait un accompagnement et une interaction avec l'adulte. Et c'est cette interaction qui est particulièrement importante. Donc, certes, ça peut soulever des interrogations par rapport aux écrans, mais je pense qu'il faut être très clair. S'il y a une portée bénéfique de ces jeux-là, il faut accompagner les enfants, mais il n'y a pas de raison de s'en priver, à mon sens. Voilà, je dirais que c'est important de les utiliser. On va prendre une question dans la salle. J'ai vu qu'il y avait une main levée, donc je vais me déplacer comme tout à l'heure et prendre une question de la salle. Donc, comme tout à l'heure, je tends le micro, Pascal. Deux questions. D'une part, donc Graphogame ne semble pas avoir d'excellents résultats. Kalulu a, semble-t-il, des résultats, selon une étude qui vient d'être en préprint, tout à fait décevant, puisque les résultats sont bons immédiatement, mais s'effacent très vite. En quoi GraphoLearn pourrait être meilleur, ou Skies of Manawak? Deuxièmement, je suis toujours surpris de la comparaison entre le français et l'anglais qui serait plus difficile que le français. Enfin, il serait plus difficile d'apprendre à lire en anglais qu'en français, alors qu'en anglais, au moins si on parle de petites phrases simples qui permettent d'entrer dans la lecture, on a des mots dont toutes les lettres se prononcent, des mots dont les lettres correspondent au bruit qu'elles font quand les enfants apprennent les noms des lettres. Enfin, il est beaucoup plus facile d'apprendre à lire « dog » que « chien », enfin, apprendre à lire, à faire le lien entre le graphème, le son et l'animal. Il est plus facile d'apprendre à lire ou à écrire « Hello, I'm Peter, I'm six, I'm a boy » ou « I'm Nancy, I'm a girl » que « Je m'appelle Pierre », j'ai 6 ans, etc. On voit tout de suite les difficultés immenses en français. Donc moi, d'une part, je m'inscris en faux contre cette affirmation que je trouve souvent chez Liane Springer-Charol que l'anglais est plus opaque que le français. C'est pas vrai en début de lecture. Et deuxièmement, après, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés plus grandes dans la suite de l'apprentissage. Mais au niveau CP-CE1, je suis très surpris de l'échelle que vous avez montrée. Alors, je pense que ça rentre dans des débats un peu techniques, mais sur la diapositive que j'ai montrée, un indice qui est mesuré, c'est le degré d'entropie, on peut dire, c'est-à-dire l'incertitude face à un graphème donné ou à une lettre. Étant donné le contexte, combien j'ai de voisins possibles pour le prononcer ? C'est-à-dire combien il y a de manières différentes de prononcer cette lettre isolée ou ce graphème selon le contexte. Et c'est ça qui était représenté donc, dans la diapositive. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a plus d'ambiguïté en anglais qu'en français. Après, c'est vrai que les données que j'ai montrées, ce n'est pas les seules, elles sont assez claires sur le fait que les enfants ont du mal à apprendre à lire, même dans les premières phases de l'apprentissage de la lecture, en anglais. Donc ça pose une véritable question, si ça n'est pas que une question de transparence ou d'opacité, quels sont les autres facteurs en jeu ? Est-ce qu'il y a des implications des systèmes scolaires, le moment dans lequel on rentre dans la lecture et la manière, etc. Bon, je pense que ça sort un petit peu du cadre des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, mais en tout cas, bon, je pense que d'un point de vue
Le message principal de ma diapositive, c'était vraiment juste au-delà de ce qui se passe en anglais, et peut-être même peu importe, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas du tout dans un système transparent en français. Et donc, c'est vrai qu'on demande beaucoup à nos enfants. Encore une fois, peu importe ce qui se passe en anglais, on leur demande beaucoup, un point c'est tout. Et donc, on peut s'interroger sur la difficulté de la tâche en elle-même et donc le fait d'aider les enfants dans cette tâche difficile. C'est tout. Pour répondre à votre autre question, donc, oui, je suis d'accord, Graffo-Learn, encore une fois, n'est pas parfait, on est bien d'accord, donc en français, les résultats sont décevants, en fait, quand on regarde les publications, de même pour Kalulu. Je pense que ce que ça souligne, d'une part, c'est que c'est très important qu'on considère les effets à long terme, enfin, long terme, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, à moyen terme. Il y a certains effets qui émergent assez tard, et c'est une des choses qu'on a observées donc, dans notre étude sur Skies of Manawak, c'est qu'on a des effets donc, vraiment qui transfèrent aux performances scolaires, mais qui n'émergent que 18 mois après l'entraînement. Et c'est quelque chose qui est connu dans la littérature sur l'apprentissage. Il y a certains effets qui mettent beaucoup de temps à émerger, puisqu'il faut que l'entraînement, de fait, en cascade, influence différentes compétences, etc. Et ça amène la réponse à votre autre question, donc quel pourrait être le bénéfice spécifique de Skies of Manawak par rapport à ces solutions qui finalement sont un peu décevantes pour le français, et je suis d'accord avec vous. La grande différence, c'est que Skies of Manawak entraîne des compétences de haut niveau, d'une manière, agencées d'une manière qui transfère à d'autres compétences, notamment la lecture. Et un des facteurs importants dans ce jeu, c'est peut-être le fait qu'il propose différentes activités centrées autour d'une activité qui entraîne l'attention visuelle en particulier. Et peut-être c'est le concours donc, de ces entraînements cumulés qui fait qu'on a des bénéfices qui transfèrent à différents domaines. Voilà. On va avoir le temps pour une dernière question, mais il va falloir que tu sois très rapide. Merci pour votre exposé, vraiment intéressant. Je me faisais juste une observation pour avoir vécu quelques années en Hongrie, donc avoir appris une langue finno-ougrienne, une langue agglutinante, comme le basque et le finnois. Je pense qu'il y a quelquefois des... Le finnois est également une langue finno-ougrienne, par définition. Je pense qu'engager une comparaison entre... le finnois et le français, l'anglais et d'autres langues, enfin globalement langue slave, langue latine et langue finno-ougrienne, c'est un peu risqué parce que le mécanisme de raisonnement et de construction syntaxique de la phrase qui correspond à la construction même du langage dans les langues agglutinantes n'a rien à voir avec les langues latines. Donc il y a une petite sensibilité là-dessus, je pense que vous y avez travaillé, mais il faut la noter. Et puis la deuxième observation, mais là c'est une question, d'ancien psychologue, toujours peut-être, et enseignant, et si ce n'était pas la méthode, le sujet ? Et si finalement, en se penchant davantage sur la construction des fonctions exécutives, on touchait du doigt ce qui réellement peut être incitatif dans l'apprentissage et la performance scolaire au sens large du terme, et notamment en lecture. Mais c'est une question, je n'en ai pas la réponse. Par rapport à ce que vous disiez sur les langues agglutinantes, etc., encore une fois, ici, l'intérêt, c'était vraiment juste de montrer la difficulté d'avoir une orthographe opaque. Et on peut rester dans le contexte des langues latines et comparer le français à l'italien. Et là aussi, on observe que les temps d'apprentissage de la lecture sont très différents en CP. Donc, encore une fois, même, je suis d'accord avec vous, il y a certaines variables qui sont à contrôler et dont il est important qu'on tienne compte. Mais même dans le contexte des langues latines, finalement, on se rend compte que la transparence joue un rôle. Donc voilà, c'est un constat qui reste le même, je pense. Et puis, pour les fonctions exécutives, je pense que c'est très intéressant comme question à se poser. Et on a l'espoir qu'en fait, en travaillant sur les fonctions exécutives, on comprenne aussi mieux quel est leur rôle dans la lecture. Ça fait partie des choses qu'on creuse dans le contexte des études que j'ai évoquées. Merci beaucoup. Merci Irène, à tous. Merci, on va t'applaudir. Et je vais pouvoir appeler notre prochaine intervenante, Nathalie Franc, qui est pédopsychiatre, spécialiste du TDAH, qui siège
au comité scientifique de l'association TDAH France, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, d'accord, et qui va nous parler le TDAH, une double peine pour les élèves. Merci beaucoup Nathalie d'être venue nous voir aujourd'hui dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne. Bonjour à tous, bon, moi, je suis très impressionnée d'être ici, d'intervenir en plus après des présentations d'une telle qualité. Alors on a parlé de l'impact de la comparaison sociale pour les élèves, je ne sais pas si c'est encore actif pour nous adultes, mais ça pourrait me mettre en difficulté, donc heureusement que j'ai une vision assez malléable et implémentielle de l'intelligence, j'espère que ça me protégera. Mais voilà, alors moi je viens vous parler ici de ma pratique de médecin pédopsychiatre. Je m'occupe de la consultation TDAH depuis 15 ans maintenant au CHU de Montpellier. Donc c'est un peu un regard médical posé sur ces inégalités pour les élèves, en sachant qu'en 15 ans, j'ai vu quand même pas mal de choses évoluer, c'est-à-dire une bien meilleure connaissance et reconnaissance du trouble aujourd'hui par rapport à mes débuts. Mais je dirais que cette progression, elle s'est faite quand même à deux vitesses pour moi, c'est-à-dire que pour certains élèves, on va réagir rapidement, les diagnostics vont être portés, les prises en charge adaptées vont être mises en place, les aménagements vont fonctionner. Et je pense qu'on a toute une partie des élèves qui sont dans notre angle mort, qu'on ne diagnostique pas pour d'autres raisons, et c'est aussi là-dessus que je voudrais insister par rapport à ma présentation. Alors TDAH, c'est pas forcément un sigle que tout le monde connaît, mais pour nous c'est important. En médecine, on ne parle plus d'enfants hyperactifs, on parle de troubles déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est pas parce qu'on est fan des sigles, mais c'est parce que c'est important d'insister d'abord sur le déficit d'attention, parce que les enfants de TDAH n'ont pas forcément d'hyperactivité. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent à la consultation en disant « mais on vient vous voir, mais notre enfant n'est pas hyperactif ». Oui, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit, et je vais le développer. Donc c'est un trouble du neurodéveloppement, et j'y reviendrai, puisqu'ici donc, j'apporte une vision médicale des choses, qui concerne quand même 5% des élèves. Donc sur une classe de 30 élèves, il y en a un ou deux qui sont concernés, c'est quand même quelque chose de fréquent. Qui se manifeste par une triade de symptômes que je vais vous décrire et qui doit entraîner une souffrance pour les élèves, enfin pour les enfants. Et ça, c'est le point principal, c'est-à-dire qu'on nous reproche parfois en tant que médecin indirectement de dire « ah mais oui, aujourd'hui, ils sont tous TDAH, on veut que les enfants rentrent dans des cases, dès qu'ils bougent, on veut mettre un diagnostic, etc. » Ce n'est pas du tout notre propos. Je vous assure qu'on ne fait pas du recrutement pour avoir une patientèle. On a énormément de demandes et les enfants qu'on voit en consultation, ce sont des enfants qui sont vraiment dans des situations de souffrance importantes. Alors la triade de symptômes qui définit le TDAH, donc l'hyperactivité, n'est pas en premier, mais c'est vraiment le déficit d'attention qui fait le trouble, l'impulsivité et bien sûr les symptômes d'hyperactivité. Je vais vous décrire ça pour recontextualiser un peu mon propos. Alors l'inattention, c'est vraiment le cœur du trouble. C'est là-dessus que vont se baser surtout nos interventions, nos médicaments aussi, quand on doit être amené à en prescrire. Et ce qui fait l'importance, c'est que c'est quelque chose qui va persister dans le développement. Alors, chez l'enfant, on va plutôt décrire les symptômes dont je vais vous parler, mais chez l'adulte, ce sera plutôt l'impact sur le fonctionnement exécutif, en fait, le côté organisation, planification. C'est ça qui va être finalement la gêne qui peut persister chez l'adolescent. Puis chez l'adulte. Alors chez l'enfant, ça, ce sont les critères de nos classifications en vigueur, qui sont les critères du DSM. À quoi on reconnaît l'inattention ? Alors bien sûr, il faut que ce soit décalé par rapport à ce qu'on attend dans le développement habituel d'un enfant. Les classiques, on va dire, les fautes d'étourderie, les oublis, les pertes, la difficulté à rester concentré, le fait d'être vite déconcentré, distractible, ce sont des choses que les enseignants connaissent bien dans leur classe. Ce qui va être plus gênant pour les familles, c'est finalement ce qu'ils vont plus rapporter en consultation, c'est la difficulté de ces enfants à s'organiser et à agir en routine. En fait, ce sont des enfants, dans le quotidien à la maison, qui ont du mal à faire les choses de façon automatique. Il faut leur répéter les consignes,
va te brosser les dents, va te mettre en pyjama, etc. Donc, ce sont des enfants qui vont manquer d'autonomie dans le quotidien, et ça, ça va entraîner en fait un impact important pour les parents qui sont toujours derrière à les superviser. Alors, c'est peut-être quelque chose qui peut se voir moins en classe, parce qu'en classe, on va dire qu'ils sont un peu plus cadrés, sortez le cahier vert, sortez la trousse, donc il y a quelque chose, ils sont un peu plus pilotés que ce que ça peut être dans l'autonomie de la maison. Par contre, à l'adolescence, bien sûr, ça va être le point qui peut être le point de gêne dès qu'il faut s'organiser un peu par soi-même. Alors, un point sur lequel je tiens à insister dans ces critères, c'est cette difficulté à initier l'effort. En fait, la difficulté à s'engager, c'est relié au contrôle attentionnel, en fait, c'est d'engager son attention sur une tâche coûteuse, et c'est un des critères du déficit d'attention. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas un critère, on va dire, il est toujours un peu à double tranchant dans l'interprétation, parce que parfois ça va être, oui, il a du mal à faire des efforts, et on va associer des interprétations, c'est parce qu'il est un peu feignant, voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir des aspects de tempérament qui vont apparaître derrière, et c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel en tant que soit en tant que parent ou en tant que professionnel, de rester dans l'observation sans tomber dans l'interprétation des symptômes, en fait, parce que ce sont des symptômes qui sont sous-tendus par des particularités de fonctionnement neuropsychologique que je ne détaillerai pas, mais de ne pas mettre des attributions, et c'est souvent ce qui se passe, en fait, que ce soit à la maison ou en classe. Ah ben oui, ben il ne veut jamais s'y mettre, on voit bien, il a la flemme, etc. Ce sont ces aspects-là qu'il faut avoir en tête. L'impulsivité, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le manque d'inhibition, la précipitation. On entend bien ce qu'il y a derrière. Les critères, c'est de répondre avant la fin des questions, couper la parole, avoir des difficultés à attendre, à différer. Mais là aussi, l'interprétation, elle vient vite. Ça va être, oui, il ne lève pas la main pour prendre la parole, c'est qu'il ne connaît pas la règle. Ou alors, c'est qu'il ne veut pas la respecter. Il se moque des consignes, il veut passer en premier, il ne fait pas attention aux autres. En fait, derrière ces critères, qui sont des critères du trouble, on peut mettre des interprétations qui vont être péjoratives pour l'enfant. Et ça, c'est aussi un point sur lequel il faut être assez vigilant, parce que la limite est tenue, on va dire. Alors, l'hyperactivité, c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans ce trouble, finalement, et c'est pour ça qu'on n'aime plus parler d'enfants hyperactifs, parce que d'abord, c'est facultatif. Selon les formes cliniques, certains enfants n'ont pas du tout les critères d'hyperactivité, les symptômes d'hyperactivité. Ça peut être très modéré, l'enfant qui se tortille un peu ou qui va avoir la bougeotte au bout d'un certain temps sans que ce soit très visible. Et finalement, c'est quelque chose qui va plutôt s'améliorer dans le développement. Donc, ce n'est pas ça qui va être le problème majeur de ces enfants quand ils vont grandir. Donc, ce n'est pas le plus important, on va dire, même si c'est souvent ce qui peut être le plus spectaculaire et que ça peut éventuellement, bien sûr, perturber un peu le cadre de la classe. Et là aussi, sur ce côté, l'enfant qui se lève alors qu'il n'y est pas autorisé, on voit toutes les interprétations éducatives qui peuvent être faites derrière tout ça. Voilà les critères que j'avais mis, donc la difficulté à rester assis, le fait de se tortiller, de courir, sauter, ce sont des critères évidemment facultatifs, mais cette difficulté à rester tranquille. D'autres critères sont nécessaires pour les classifications. Alors, ils sont discutables, chacun individuellement, mais on ne va pas rentrer dans les débats. Mais il faut que, comme c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est quelque chose de précoce. Donc, il faut que ça ait démarré avant l'âge de 12 ans pour les symptômes, même si aujourd'hui, on est amené à diagnostiquer des enfants beaucoup plus grands, notamment des collégiens, des lycéens, pour qui le diagnostic n'avait pas été posé avant. Mais en tout cas, les critères ont dû exister tôt dans le développement. Voilà, donc il faut que ça évolue depuis un certain temps, que ce ne soit pas l'affaire juste d'un seul lieu, et surtout qu'il y ait un retentissement important, et ça c'est la clé évidemment du trouble. On ne parle en psychiatrie, on ne parle de trouble que s'il y a un retentissement, et ça c'est un point dans nos classifications qui est central. C'est-à-dire qu'on peut avoir à peu près tous les critères que je vous ai donnés sans avoir de TDAH, parce que si on fonctionne bien par ailleurs, on a le droit d'être agité, étourdi, c'est pas du tout, on ne veut pas être dans un aspect normatif. Ce qui compte, c'est la gêne qu'on peut en ressentir. Un point aussi très particulier
particulier dans le TDAH à connaître pour tous, et en particulier pour les enseignants, mais aussi pour les parents, c'est la variabilité de ces symptômes que je vous ai décrits en fonction des contextes. C'est-à-dire que selon la situation, les enfants vont être capables de cette capacité, de cette attention parfois soutenue, de cette organisation. S'ils sont particulièrement motivés, s'ils sont en relation duelle aussi, c'est quelque chose qui est démontré, dans des situations en fait, qui sont dans des contextes favorables, ils sont capables d'avoir cette faculté attentionnelle. Et là aussi, on peut résumer ça par une phrase qui est souvent prononcée par les familles, qui est « quand il veut, il peut », ce qui est une réalité. C'est-à-dire que quand il y a de la motivation, ça leur permet de franchir un peu leurs difficultés, mais sans tomber dans l'écueil qui serait de dire que ce serait caractériel, en fait. Donc, c'est aussi là que c'est important de comprendre cette variabilité. Elle fait partie du trouble et ce n'est pas un critère de mauvaise volonté ou de tempérament pénible qui ne ferait que ce qu'il voudrait. Alors, l'impact, il va être dans tous les niveaux et dans tous les domaines de vie de l'enfant. On parle beaucoup de l'impact scolaire, mais ce n'est pas nécessairement le plus important. Alors, sur la scolarité, ça va être le comportement en classe, le fait de respecter le cadre qui est donné, les apprentissages, parce que ce sont des enfants qui ont 30% de risque d'avoir des troubles spécifiques des apprentissages ou troubles 10, donc évidemment, ça va être impacté. Les résultats aussi scolaires, parce que c'est très variable d'un jour à l'autre, ils peuvent réussir, rater pour la même épreuve, donc leurs notes ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais un point, ce qui est tout aussi important, c'est le côté relationnel, donc on l'a un peu évoqué aujourd'hui, mais les compétences prosociales et relationnelles sont souvent altérées chez ces enfants, et ça c'est un point fondamental à explorer parce qu'on montre vraiment que ça crée un impact et une gêne. On a vraiment l'idée un peu, c'est que pour le pronostic et pour la vie professionnelle future, le fait d'avoir des bonnes relations sociales pour ces enfants-là, c'est un facteur aussi important que leur chiffre de QI au départ dans les études. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment s'intéresser à cette dimension de fonctionnement social. Le côté familial est très important parce que ce sont des enfants qui arrivent parfois à la consultation en disant « mais je suis méchant à la maison, je gâche la vie de ma famille parce qu'il faut beaucoup être derrière, etc. » qu'il y a beaucoup d'opposition et en conséquence, évidemment, un impact sur l'estime de soi. Alors, ce qui est important peut-être pour aujourd'hui, c'est d'avoir quelques données sur ce qui sous-tend le TDAH, à quoi est dû le TDAH. Parce que en fait, la façon dont on perçoit le trouble va déterminer aussi la façon dont on va interagir avec les familles et avec ses enfants. Donc on entend à peu près, on va dire que dans le langage commun et dans les représentations, on a une idée tellement fausse de ce trouble que c'est important sans doute de remettre un peu les choses en place par rapport à ça. Et on entend un peu tout, que ce soit dans le grand public, parfois dans les médias et on va dire dans le langage commun. Et c'est un des points qui nous tiennent à cœur parce que c'est ça qui est aussi compliqué pour les familles. Donc là, je vous ai mis des exemples de ce qu'on entend le plus et de ce que évidemment les parents entendent le plus puisque ce sont eux qui sont en première ligne. Alors l'éducation, on entend régulièrement, ce sont des familles trop laxistes, les règles ne sont pas fixées, c'est pour ça que ces enfants se lèvent sans permission, c'est pour ça que ce qui est montré, et ça c'est vraiment mon quotidien en consultation, dans les familles où il y a un enfant avec TDAH, il y a beaucoup plus de règles, beaucoup plus de contraintes, c'est beaucoup plus strict, beaucoup plus de punitions aussi, parce que les parents se disent, si ça ne marche pas, il faut punir plus, il faut sanctionner, etc. Donc en fait, ce sont des familles où le fonctionnement est au contraire beaucoup plus rigide au niveau éducatif et strict, et nous aussi dans nos programmes de parents, on essaye de travailler là-dessus pour réajuster finalement ces aspects éducatifs aux particularités et au fonctionnement des enfants. Mais c'est vraiment une donnée qui est vérifiable, ce côté éducation rigide qui va contre ce que peuvent véhiculer les idées reçues. On entend aussi l'histoire de la structure familiale, l'absence du père, l'absence de cadre, les parents séparés, etc. Là aussi, ce qui est démontré, c'est qu'avoir un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement comme le TDAH ou le TSA, c'est un risque, c'est un facteur de risque de conflit, de séparation, et que donc, il ne faut pas mélanger, toujours dans une pédopsychiatrie de façon générale et dans la vie, pas faire de relations trop rapides par rapport à tout ce qui est causalité ou association.
Le TDAH n'est pas spécialement le trouble à la mode. Il a été décrit comme tous les autres troubles psychiatriques dans la fin du 18e et avec des descriptions plus précises par la suite. L'enfant hyperkinétique, sa prévalence est démontrée. Et là, il y a une conférence de consensus, enfin un article de consensus récent qui remet ça en avant, que c'est 5%. C'est dans tous les pays, dans les différentes sociétés, les différents continents. On n'a pas d'argument pour penser que c'est une épidémie, entre guillemets, comme on peut l'entendre. C'est a priori stable, avec bien sûr une bien meilleure connaissance aujourd'hui, une médicalisation et un diagnostic qui est plus fait, mais pas encore suffisamment, et je vais y revenir. Ce n'est pas non plus lié à la consommation d'écran. Alors là aussi, c'est important d'avoir des études prospectives pour pouvoir parler de ça, mais par contre, les enfants avec TDAH vont être plus attirés par les écrans parce que ça les stimule, ils ne savent pas jouer seuls, ça les intéresse, etc. Donc il y a plein d'autres facteurs d'association. Et cette histoire de troubles psycho-affectifs, c'est extrêmement important parce que moi, j'apprenais encore ça quand je passais mon internat, que c'était des enfants qui bougeaient parce qu'ils se luttaient contre un effondrement dépressif, ils s'agitaient, c'était une défense maniaque, ou alors l'anxiété leur paralysait le cerveau et du coup ils avaient des problèmes d'attention, c'était de l'anxiété, de l'inhibition anxieuse. Tout ça n'existe pas, enfin dans les données, c'est-à-dire que si on suit ces enfants, c'est le TDAH qui entraîne dans la course et dans le retentissement le risque de dépression chez eux et non pas le contraire. Donc toujours cette histoire de ne pas confondre association et causalité. Voilà, alors c'est un trouble du neurodéveloppement, je sais que j'ai peu de temps, je vais accélérer. Donc un trouble du neurodéveloppement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déterminé par des facteurs très précoces d'origine génétique, d'origine environnementale précoce. Donc un des troubles les plus génétiques en psychiatrie, moins que l'autisme, mais plus que beaucoup d'autres, avec une héritabilité à 70%. Donc voilà, ce sont des troubles qui sont, c'est pour ça que le TDAH est un trouble de neurodéveloppement, des anomalies précoces. Alors ce que je pourrais dire aujourd'hui, pour moi, ce qui me pose problème en tant que clinicienne, on va dire, mais c'est que je trouve que le TDAH, dans les familles où il n'y a pas trop de risques, de facteurs de risque ou d'adversité psychosociale, on arrive de mieux en mieux à le diagnostiquer, on le repère, les parents se renseignent, se documentent, font réaliser des bilans, on arrive à voir les troubles 10 qui sont associés, on met en place des aménagements scolaires, un traitement médicamenteux s'il est indiqué, et on a quand même des perspectives vraiment d'évolution et de progrès qui sont favorables. Le problème, c'est pour moi le TDAH dans les familles où il y a différentes formes de fragilité et où quelque part on va mettre ça sur le compte de ces fragilités. On va dire, ah ben oui, c'est normal, il n'arrive pas à se concentrer, mais quand on voit ce qui se passe à la maison, c'est normal aussi qu'il ne soit pas concentré. Ok, il est en CE2, il n'arrive pas à lire, il ne sait pas rester en place, mais on n'a jamais dû lui donner la règle, et puis ses parents ne doivent pas trop l'aider, etc. Et en fait, plus l'enfant est dans une situation difficile, moins il va être finalement bien évalué pour son TDAH. Ce sont des enfants, du coup, il n'y a pas de guidance familiale adaptée, il n'y a pas suffisamment d'informations, de psychoéducation, moins de traitements médicamenteux pour ces enfants-là, alors qu'on sait que ce sont en même temps les enfants les plus à risque de troubles des conduites par la suite ou de troubles du comportement, de troubles qui ont besoin aussi qu'on les aide par rapport à leurs troubles spécifiques des apprentissages, leur scolarité, leur orientation. Ils ont moins d'aménagement, ils répondent très bien au traitement pour en avoir aussi une expérience avec ces enfants-là, mais c'est beaucoup moins proposé pour eux. On leur propose moins parce qu'on part du principe finalement que le problème est autre, il faudrait que d'abord ça aille mieux à la maison. Et là, je vous prends un cas clinique qui est sorti du four, j'allais dire, parce que c'était le mois dernier, mais c'est le quotidien. J'en ai vu 200 des bilans comme ça, je ne peux pas vous expliquer. C'est un enfant placé pour qui on demande un WISC, parce qu'en fait, donc un bilan, un test de QI, parce qu'en fait, l'école, ça se passe très mal, on parle d'orientation spécialisée, il est en famille d'accueil, la même famille d'accueil depuis l'âge de 2 ans, une famille qui est très investie, mais qui commence à montrer des signes d'épuisement et des demandes de relais, comme ça peut arriver. On nous l'adresse au CHU, on parle d'un diagnostic de TDAH, on parle d'un traitement, enfin je parle d'un traitement, les parents sont biologiques, qui ont l'autorité parentale, sont opposés, l'éducatrice semble un peu opposé aussi, mais elle demande quand même pour trancher un bilan neuropsychologique, donc un WISC en particulier, à une psychologue en ville. Donc jusqu'ici, tout suit son cours. Et là, le bilan de la psychologue, que je ne vois plus d'ici, mais c'était assez éloquent, et c'est pas pour montrer cette psychologue du doigt, parce que j'en vois beaucoup des bilans comme ça, c'est...
Voilà, donc en gros, voilà, il est précipité d'évoquer le TDAH tant que l'enfant n'a pas retrouvé une stabilité dans son environnement. Je crois que ce sont ces mots à peu près. Elle propose plutôt pour cet enfant qu'il ait un espace de parole qui lui permette de verbaliser ses difficultés pour mieux progresser. Donc, résultat, les parents qui étaient un peu réticents et qui ne sont pas très informés et voilà, disent bah, « Écoutez, voyez, on n'a pas tout fait, donc nous, le traitement, on n'en veut pas. La famille d'accueil est prête à lâcher la situation parce que ça devient très compliqué. » Donc la stabilité pour cet enfant, je ne sais pas quand on va la retrouver, mais c'est un peu du quotidien en clinique, c'est-à-dire que quelque part on voudrait poser le diagnostic quand tout dans ces familles serait à peu près stable, sécurisé, assaini pour dire là on n'a pas d'autre explication, donc c'est le TDAH. On oublie que ces enfants, les enfants dans les familles à risque ont aussi plus de risques de TDAH, plus de risques d'avoir des parents avec TDAH, des éducations, voilà. Donc c'est toute une dynamique et une formation, je pense, dans la première ligne en fait autour de ça, parce qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits, c'est vrai, mais je pense qu'ils sont faits à deux vitesses et qui ne sont pas faits pour tout le monde de la même façon. Et c'est vraiment un point qui, moi, m'interpelle dans ma pratique quotidienne. Donc, je crois que j'ai un peu débordé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nathalie. Je sais que cette présentation va intéresser tous les acteurs du monde de l'éducation, hein, tant c'est une problématique qui les concerne. Alors on a déjà une première question. Comment accompagner ces élèves justement dans le système scolaire ? Voilà, c'est une question vaste, on pourrait y passer. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, hein, sur les aménagements scolaires qui correspondent aux enfants avec TDAH. Alors, il y a les aménagements, il y a tout un système de guides, de dire mettez-les plutôt au premier rang, permettez-leur de se lever, de distribuer les feuilles. Ça, je veux dire, c'est les petites... Mais ce qui est le plus important, je dirais, à mon sens, avec un peu d'expérience, parce que finalement, ce sont des astuces un peu que chaque enseignant adapte un peu sa classe à sa façon, mais il y a quelque chose peut-être ce sont des enfants qui marchent énormément à la motivation et la dimension affective est particulièrement importante pour eux. Le côté motivation, comme je le disais, ça permet parfois pour eux de mobiliser leur attention, puisque tout ça, motivation, attention, ça reste un peu les mêmes choses au niveau dopaminergique, au niveau cérébral, le fait de fonctionner, d'être quand ce sont des élèves, quand on leur fait d'une certaine façon confiance ou qu'on les accompagne ou qu'ils sentent qu'ils sont investis, ils vont faire beaucoup plus d'efforts. Et ça, c'est assez frappant au collège, par exemple, où on voit le même élève dans des cours différents, avec des enseignants différents. Et sur les bulletins, on a l'impression qu'on parle d'élèves différents, parce que selon parfois la matière, mais selon souvent plutôt le style d'enseignement, ils vont avoir des comportements très, très différents. Et ça, c'est un des points. Donc, je dirais le côté affectif, pour moi, même pour certains, j'ai eu des enseignants qui disaient, mais nous, on n'a pas envie de révolutionner la classe, on ne va pas s'amuser à aménager pour tout le monde. Moi, je travaille depuis 30 ans dans l'éducation nationale, je ne vais pas changer mon truc, mais qui avait quand même une espèce d'attention chaleureuse pour ses élèves et pour qui ça peut suffire. En fait, je dirais qu'il y a des tas de guides, de recommandations, mais cette dimension affective est importante. Et je dirais aussi la façon dont on travaille avec les familles, et ça, c'est un point compliqué, mais le fait que les enseignants connaissent le TDAH, moi, je vois dans les retours des parents, c'est quelque chose qui les met énormément en confiance et qui fluidifie beaucoup les liens avec l'école. Des parents qui disent « Ah, mais la maîtresse, vous savez quoi, son fils, il est TDAH, il est venu, voilà, donc c'est formidable, on se sent bien, on se sent... » Donc parce que la façon dont les parents communiquent autour de l'école, c'est aussi quelque chose d'important dans le lien. Et donc voilà, c'est une réponse un peu vaste, on va dire. On te demande aussi vers qui orienter les familles pour le diagnostic. Oui, ça, c'est une grande question, parce que c'est vrai que selon les territoires de santé, c'est quand même plus ou moins compliqué. Et il faut vraiment aller voir des personnes qui connaissent bien le TDAH. Donc là, j'invite les familles ou les enseignants, enfin toutes les personnes concernées, à se tourner vers l'association TDAH France, parce qu'il y a un relais, enfin il y a des bénévoles aux quatre coins de France qui connaissent un peu les rouages des différents territoires. Il y a des endroits où ça va être, par exemple, le neuropédiatre, d'autres où ça va être les pédopsychiatres. C'est impossible de s'y retrouver, je dirais, aujourd'hui, simplement, si on n'a pas des gens qui sont sur place et qui vont dire, nous, dans notre ville, il faut aller voir tel médecin, tel psychologue, etc. Et à partir de quel âge peut-on les diagnostiquer de manière sûre ?
Alors moi, je dirais 6 ans, et je dirais, enfin, je sais pas, voilà, c'est vrai que je dirais là, pour moi, qui pose le diagnostic au quotidien, je suis toujours inconfortable de le poser avant la classe de CP, parce que je trouve que le CP, ça correspond quand même, il y a beaucoup de variabilité interindividuelle avant à l'école maternelle, et le CP, ça correspond quand même à un stade développemental où il y a des exigences un peu fixes, et où c'est plus facile de voir ce qui est vraiment différent par rapport à la norme. Donc, 6 ans, c'est aussi nos autorisations pour les traitements médicamenteux si c'est nécessaire. Après, dans certaines situations, on pose le diagnostic avant, mais c'est plutôt rare, et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus confortable à l'école primaire. Alors, je crois qu'on a... Est-ce que l'on peut guérir ? Oui, alors, bien sûr. Mais c'est vrai que ce que montre vraiment la conférence, l'article de consensus, c'est que plus on prend les choses en charge tôt, mieux c'est, parce qu'on évite tous les risques derrière qui sont reliés au TDAH. Alors, parfois, on peut guérir parce qu'au niveau maturation cérébrale, les choses s'améliorent et les processus attentionnels s'améliorent aussi. Il y a beaucoup aussi de l'environnement qui se modifie. C'est pas la même chose de rester 8 heures dans une salle de classe en CE2 et d'être soi-même sur le terrain. De bouger à gauche, à droite, d'être dans un milieu où on est assez actif, ça correspond beaucoup mieux au potentiel. Et souvent, quand on choisit un métier qu'on aime, on n'est plus gêné de la même façon par son déficit d'attention. Donc ça, c'est fondamental et ça permet d'avoir... on n'est pas sur des choses qui vont empêcher une carrière, quelle qu'elle soit, en fait. C'est juste une histoire de goût et de motivation. Enfin, c'est aussi une histoire de goût et de motivation. Après, guérir, les traitements médicamenteux permettent aussi des améliorations symptomatiques qui sont claires, mais ce n'est pas des traitements pour la vie, parce que justement l'idée c'est de s'adapter, en fait c'est de développer des stratégies de compensation. On est dans la compensation par rapport à l'environnement, par rapport à soi-même, et c'est ça qu'on essaye d'apprendre le plus tôt possible aux enfants et d'abord à leur famille, en fait. Tu as beaucoup de questions justement sur le traitement, à partir de, enfin, dans quel contexte vraiment on parle de traitement médicamenteux. Alors, le traitement médicamenteux, c'est dans les recommandations internationales, parce que bien sûr, on n'a pas encore de recommandations françaises, mais ça va venir, la HAS est sur le dossier. Mais les recommandations internationales disent, en première ligne, c'est de la guidance éducative parentale, c'est-à-dire qu'on apprend, on explique aux parents les symptômes de TDAH, on leur donne des stratégies à la maison pour gérer les symptômes du quotidien, pour encourager, valoriser, apprendre l'autonomie à leurs enfants. Donc, guidance éducative codifiée, hein, c'est des programmes spécifiques validés, aménagement scolaire, et si tout ça ne fonctionne pas et qu'on a une gêne importante, la deuxième ligne, c'est le traitement médicamenteux. Donc ça vient assez rapidement dans les recommandations, mais bien sûr, après une psychoéducation bien menée, et on n'a pas de... dans les recommandations, il n'y a pas d'intérêt pour, par exemple, une psychothérapie de soutien seule avec l'enfant qui n'engagerait pas sa famille. Et ça, c'est important à dire parce qu'on entend souvent encore aujourd'hui dans les équipes éducatives, il faudrait que cet enfant ait un espace de parole. Bon, là, c'était le cas avec cette psychologue, mais il faudrait qu'il voit quelqu'un toutes les semaines parce qu'il est en souffrance, parce que ça lui ferait du bien, etc. Non, ce ne sont pas des recommandations. Le fait d'avoir un TDAH, la psychothérapie de soutien n'est pas dans les recommandations. En fait, il faut qu'on arrive à rester assez clair sur les choses qu'on peut faire et celles qu'on ne peut pas faire. Et le problème aussi, c'est de perdre du temps, parce que des fois, voilà, il y a des enfants, il vaut mieux, quand il y a besoin d'un traitement, il vaut mieux le faire assez tôt. Par exemple, là, avant que l'enfant soit en ITEP, typiquement, il faut mettre les choses en place avant d'aller trop loin dans les dispositifs, avant qu'il y ait un décrochage scolaire, avant que l'enfant perde complètement sa confiance en lui, perde toutes ses relations sociales, etc. Donc, il y a des choses qui sont plus graves que les effets secondaires des traitements. Ce sont les conséquences du trouble, en fait. Et ça, c'est important. Et je crois que c'est une phrase qu'on dit souvent, mais il y a beaucoup plus de risques dans le TDAH. Quand le TDAH a un retentissement important, il y a beaucoup plus de risques à ne pas le traiter qu'à le traiter, en réalité. Donc, c'est notre devoir de pas hésiter quand c'est indiqué. Alors, on a parlé de traitements médicamenteux, de guidance parentale, d'aménagement scolaire, mais est-ce qu'il existe des solutions, notamment de remédiation cognitive, qui ciblent spécifiquement l'inhibition ? Oui, alors c'est très compliqué encore à ce jour, même dans les recommandations, d'évaluer l'efficacité. Alors c'est efficace, bien sûr, sur le moment et par rapport aux batteries neuropsychologiques qu'on va choisir. La question qui reste toujours ouverte, c'est la question de dans quelle mesure c'est transposable dans la vie de l'enfant, dans la scolarité, dans la classe, à la maison. Par exemple, le neurofeedback dont on parle beaucoup.
on n'a pas de données suffisantes aujourd'hui pour dire voilà ce, donc ça reste un point compliqué. Après, parfois ces programmes de remédiation permettent certaines stratégies, permettent une reprise de confiance, qui sont des points autres, mais on n'agit pas toujours vraiment sur les symptômes de TDAH directement. On agit plus sur des compétences un peu de mémorisation, de travailler des compétences cognitives, mais c'est pas toujours ça qui fait la gêne en fait de ces enfants-là. Ils peuvent améliorer leurs compétences cognitives, mais rester très impulsifs et avoir aucun ami parce qu'ils sont trop impulsifs et finalement ils sont toujours aussi gênés parce que c'est ça qui les dérange. En fait, c'est en fonction de leur fonctionnement global que c'est à prendre en compte. Parce que tu as parlé tout à l'heure de l'attrait des enfants avec TDAH vers les écrans, peut-être. Est-ce qu'il y a des choses qui, justement, utilisent les écrans pour pouvoir les... Oui, alors le neurofeedback, mais ça ne les passionne pas parce qu'il faut rester bloqué 20 minutes sur un bateau qui remonte un poisson. Donc, ce n'est pas du tout... C'est pas Fortnite. Il faut proposer les jeux, les Skies of Palawan. Voilà, alors non, mais il y a des programmes, mais là aussi, il y a des résultats très surprenants en fonction des programmes et ce n'est pas encore suffisamment démontré comme étant efficace. Après, ça peut avoir des bons côtés pour eux aussi, ça leur permet de développer d'autres stratégies intéressantes. Et nous, on n'est plutôt pas à diaboliser les écrans dans le service, en fait, mais on n'a pas de procédure ou de recommandations par rapport à un programme particulier. On a encore au moins une question. Est-ce qu'il existe certaines activités extrascolaires qui lui permettraient d'améliorer ses troubles de l'attention ? Ça, c'est la question que posent beaucoup de parents. Alors nous, on a plutôt tendance à dire que ça dépend du goût de l'enfant d'abord, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille vers les choses qu'il aime, il faut qu'il aille vers des entraîneurs qui sont bienveillants. Si c'est pour passer la séance de judo sur le banc parce que le comportement ne correspond pas et le vivre comme encore un lieu de dénigrement, ce n'est pas la peine. Nous, on a tendance à dire ne les surchargez pas d'activités parce qu'ils ont besoin aussi beaucoup de se poser, d'apprendre à jouer, d'apprendre à rester sans rien faire, parce que ce sont des enfants qui ont du mal à jouer seuls. Donc il faut plutôt apprendre ça que leur faire un emploi du temps de ministre, donc, mais s'ils ont un goût particulier, ça peut fonctionner. Mais ce ne sera pas le traitement de leur trouble. Quoi. On va prendre une question dans la salle, s'il y en a. Jean-Pierre Bellier a une question, donc je vais lui passer le micro. S'il y en a d'autres, peut-être. Oui, et attends, on va passer à une autre question, parce que tu as beaucoup parlé. Hop. Je vais vous tendre le micro, par contre. Donc c'est un test d'inhibition, il ne faut pas toucher le micro. Pas de problème. Oui, bonjour. Je voudrais que vous nous en disiez plus sur le lien entre le sommeil et le trouble de l'attention, parce que dans la littérature, il y a beaucoup d'éléments, il y a même des questionnements sur la requalification en trouble du sommeil, le problème d'un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant dans les troubles de l'attention. Alors, 25% des enfants avec TDAH ont des troubles du sommeil associés. Pour autant, pour nous, psychiatres, et c'est des fois des points de désaccord avec nos collègues neurologues spécialistes du sommeil, le TDAH ne peut pas être considéré juste comme un trouble de la vigilance. C'est pas le schéma qui consisterait à dire ils ont mal dormi, donc ils sont mal réveillés, donc ils sont inattentifs, et on leur donne des psychostimulants. En fait, le TDAH, c'est plus un trouble vraiment multidimensionnel sur aussi la régulation émotionnelle, la motivation, avec des comorbidités psychiatriques. Donc, on peut pas le catégoriser, on va dire, avec comme un trouble du sommeil, mais il y a des liens qui sont réels dans la régulation du sommeil, en particulier des retards de phase chez les enfants avec TDAH, ils s'endorment plus tard, de façon même les adultes, et aussi plus de parasomnie, somnambulisme, etc. Mais ce sont des troubles qui sont quand même bien, bien distincts. Après, c'est vrai qu'il faut aussi agir. Enfin, un enfant qui a un TDAH et qui n'a pas son quota de sommeil, ça va aggraver ses symptômes, et donc il faut avoir une approche un peu dans différents axes, notamment le sommeil, l'alimentation éventuellement, etc. Donc, mais c'est pas, en tout cas, nous on milite aussi là-dessus parce qu'il y a beaucoup de consultations TDAH qui sont faites par des médecins dans les centres spécialisés sommeil. Mais pour nous, ça reste quand même, c'est pas juste un problème de vigilance et d'attention. Il y a une dimension émotionnelle qui est très vaste aussi dans le TDAH. Mais c'est très relié aussi. Hein. Merci beaucoup. Question de Jean-Pierre Bellier. Merci Nathalie pour ta performance. On est toujours stupéfait de voir à quel point tu arrives en un temps très court à balayer un sujet aussi vaste. Qui est, j'allais dire, récurrent dans les écoles aujourd'hui. Pour chaque enseignant, tu l'as dit, en moyenne,
un enfant atteint de ce syndrome pour 30 élèves, c'est ça ? En vérité, dans beaucoup d'écoles, c'est systématiquement la référence qui est faite, parfois de manière un peu sauvage, dès lors qu'un enfant présente certains types de troubles du comportement. Et en fait, je me posais la question, le recteur tout à l'heure a parlé des brillants travaux du professeur Houdet sur système 1, système 2, système 3. Et la question qui me vient forcément à l'esprit, c'est de savoir si, d'une certaine manière, le TDAH n'est pas le symptôme d'un déficit instrumental ou en tout cas d'une difficulté qu'a pu nourrir un enfant à construire son système inhibiteur. Donc la question, d'une certaine manière, vous est posée à tous les deux, mon cher Olivier. Je laisse professeur Houdet. Ah, tu ne veux pas répondre à la question? Une stratégie. Déjà, je vais bien inhiber, je prends le micro. Alors, c'est une très bonne question qu'on m'a en effet aussi souvent posée. Alors pour y répondre, il faudrait avoir étudié vraiment une population sans masque, d'accord, concernée versus une population contrôle. Je vais simplement vous donner un témoignage. Robert Debré, qui étudiait beaucoup des enfants dits hyperactifs à l'époque, m'avait demandé de leur faire passer des tests d'inclusion des classes, sur quoi je faisais ma thèse de doctorat. Et dans ces épreuves d'inclusion des classes, j'ai découvert en quelque sorte le rôle de l'inhibition. Vous savez, c'est des situations où il y a 12 fleurs, 10 marguerites et 2 roses, et on demande à l'enfant s'il y a plus de fleurs ou plus de marguerites. Et les plus jeunes se trompent et disent plus de fleurs parce qu'il y a une grande extension spatiale. Et j'avais toute une batterie d'épreuves ainsi, et lorsque les enfants, j'en ai vu une dizaine, dits hyperactifs, étaient en face à face pour ce type de tâche, il réussissait aussi bien que les autres. Et donc, je crois que sans doute, il y a un défaut de contrôle inhibiteur, mais en contexte social ou dans des situations particulières et pas tellement en individuel. Alors, la causalité, au départ, je n'en sais rien, mais je crois que c'est un peu plus subtil en raison du contexte social, ou dans la classe ou dans le groupe. Et ce sont des points très, très importants parce qu'on ne peut pas, c'est un diagnostic qui reste clinique. Il n'y a pas de batterie de tests qui permet de dire aujourd'hui qu'un enfant a un TDAH, même si les parents aimeraient quelque part qu'on ait un gold standard d'évaluation. Mais ça reste clinique parce que justement, ces enfants qui peuvent particulièrement réussir les tests, et notamment soit s'ils sont en relation duelle ou aussi si on les motive, si on dit bah, si tu fais bien ce test attentionnel, tu as une carte Pokémon, bon, ils vont particulièrement bien réussir. Ils sont. Donc, il y a une histoire contextuelle et il y a une histoire de régulation, en fait, plus que du déficit, c'est peut-être de la régulation attentionnelle en fonction des contextes. Et probablement, au-delà de la régulation de l'attention, c'est aussi la régulation d'autres fonctions, comme la motivation et les émotions. Et donc, c'est pour ça qu'on touche derrière à d'autres troubles en psychiatrie ou d'autres problématiques sur le sommeil ou l'alimentation. Ou d'autres, voilà. Donc, c'est plus vaste, sans doute, qu'il n'y paraît, avec des déterminants précoces. Et bon, moi, ce qui peut-être le message vraiment d'un point de vue médical, ce qui, malgré les années passant, ça reste un trouble qui est encore mal connu, mal reconnu, et pour lequel on va beaucoup attribuer des étiologies d'origine éducative, alors même que c'est ça qui fait du tort aussi dans la communication qu'on peut avoir avec ces familles, dans leur vécu quotidien de stigmatisation. Et donc, je crois que c'est important d'en parler. Et puis pour un certain nombre de familles, ils vont s'en affranchir très bien, alors que effectivement les familles les plus qui ont le moins accès à l'information, ça va tout de suite devenir beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Avec plaisir. Pour l'intervention. Bon, on se dirige lentement vers la dernière conférence de la journée, par Teresa Ioculano, qui est chercheuse au CNRS, au laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, qui nous vient de Stanford, et qui, vous allez être particulièrement vigilant et lui faire un immense accueil, parce que c'est la première fois qu'elle fait une conférence en français. Donc, voilà. Donc, il y a un double challenge pour Teresa aujourd'hui. Et elle va nous parler des neurosciences et les inégalités éducatives dans l'apprentissage des mathématiques. Teresa, c'est à toi. Ça marche ? Ouais. Okay. Merci Grégoire.
Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des inégalités éducatives dans l'apprentissage des mathématiques et du rôle des neurosciences. Un des aspects des inégalités éducatives est la relation entre... à la relation entre les statuts socio-économiques, SSE, et la réussite scolaire. Notamment, les enfants vivant dans des SSE défavorisés sont plus susceptibles de développer des compétences inadéquates à l'école, en particulier en mathématiques et en lecture, et de présenter des troubles d'apprentissage développementaux, comme la dyslexie et la dyscalculie. Notamment, toutes ces inégalités sont plus prononcées pour les mathématiques et pour la lecture. Par exemple, c'est un rapport de PISA qui indiquait qu'un élève plus favorisé sur les plans socio-économiques peut obtenir 39 points de plus en mathématiques, qui est l'équivalent d'une année de scolarité d'un élève moins favorisé. C'est un problème. Et malheureusement, c'est un écart qui ne cesse de se creuser. Ces barres indiquent l'écart entre les groupes des SSE faibles et des SSE élevés. Et c'est la situation de la France, à grande barre, et notamment les chocs socio-économiques comme la pandémie de COVID-19 affectant de manière disproportionnée les groupes vulnérables. Mais quelles sont les causes qui peuvent conduire à cette inégalité scolaire et comment celle-ci peut-elle interagir sur les mécanismes neuronaux qui sont à la base d'un bon apprentissage des mathématiques? Les causes qui peuvent contribuer aux inégalités scolaires sont par exemple la stimulation cognitive, émotionnelle, un bon sommeil. Par contre, une sommeil fragmenté ou une source de stress, et notamment, juste pour clarifier, nous ne voulons pas parler des familles spécifiques, mais plus toutes des tendances moyennes. Et la tendance moyenne est que ces facteurs peuvent affecter le développement approprié des mécanismes cérébraux importants pour l'apprentissage, conduisant à des inégalités éducatives. Voyons comment, par exemple, la stimulation cognitive qui est spécifique pour la mathématique est importante pour l'apprentissage de la mathématique. Par exemple, c'est une étude menée chez plus de 6 ans enfants qui a utilisé un programme de stimulation cognitive qui s'appelle Bedtime Math. Comment ça marche? Les parents lisent des histoires mathématiques avec leur enfant, puis résolvent des problèmes de mathématiques ensemble. En premier lieu, un fait amusant sur un thème, par exemple les animaux, les natures, est présenté, et après, un problème de calcul qui est adapté à l'âge de l'enfant. Pour les petites enfants, un problème d'addition ou subtraction. Pour les grandes enfants, un problème plus compliqué, comme un problème avec les fractions, etc. Et les auteurs ont observé que plus les parents et leurs enfants ont fait cette activité, plus les résultats mathématiques des enfants à la fin de l'année scolaire sont élevés. Et donc, la simulation cognitive spécifique aux mathématiques semble être importante pour un bon développement des compétences en mathématiques. Et les cerveaux? Il est supposé que les activités formelles des mathématiques peuvent stimuler la fonctionnalité d'une région du cerveau, ce qui est important pour l'apprentissage des mathématiques. Et c'est la cortex pariétal, une région du cerveau responsable de la manipulation des quantités et des nombres. Et par exemple, c'est une région cérébrale qui est active. Désolée. Pour. Pendant les tâches de comparaison, comme qui est plus, pour des points jaune ou bleu, ou différentes chiffres, différents nombres. Et cette capacité
de manipuler les nombres et les quantités, déjà à l'âge préscolaire, est positivement corrélé à la performance en mathématiques. Et donc, il est possible que les simulations cognitives fassent que cette région du cerveau impliquée dans la comparaison des nombres et des quantités, qui à son tour est fortement corrélée aux compétences mathématiques, se développe de la meilleure façon possible. En plus de la richesse cognitive, la richesse émotionnelle est également une facteur très importante pour le développement et les apprentissages. Par exemple, la carence affective peut entraîner des troubles de fonctionnement socio-émotionnel de l'enfant par leur effet sur la maturation du structure sous-corticale du cerveau qui régule l'émotion. Et cette région la plus importante du système cérébral émotionnel s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale est impliquée dans tous les aspects de l'apprentissage, y compris les mathématiques, car elle est importante dans le maintien de la motivation et le plaisir d'apprendre. Et notamment, chez les enfants de faible SSE, les structures de l'amygdale semblent se développer d'une façon atypique qui pourrait être moins idéale pour l'apprentissage. Notamment, l'amygdale est le siège cérébral de toutes nos émotions. Il a été largement démontré que ses fonctionnalités sont particulièrement perturbées par des sources de stress. Et le stress constitue un aspect qui peut être fréquent dans la vie quotidienne des enfants de faibles SSE. Notamment, dans ces environnements, il peut y avoir soucis constants d'argent, horaires de travail chargés, insécurité et précarité du travail. Et malheureusement, tous ces aspects ont été exacerbés par la crise socio-économique produite par la pandémie de COVID-19. Et notamment, le stress et le SSE corrélé qu'une relation a été démontrée entre les marqueurs neurophysiologiques du stress, les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, un faible SSE. Et cet écart est exacerbé avec les développements. Et les courants donc d'observer que cet effet sont de plus en plus grands avec l'âge dû à l'intérêt d'intervenir tôt. De plus, il existe un stress spécifique pour la mathématique qui s'appelle l'anxiété mathématique, qui est une réaction émotionnelle négative qui se caractérise par des sentiments du stress, de situations impliquant la résolution des problèmes mathématiques, et cela peut avoir un impact sur les performances mathématiques. Une étude récente a révélé que même l'anxiété mathématique peut être liée à un fonctionnement aberrant de l'amygdale. Et dans une étude récente, nous voulions observer si une activité anormale de l'amygdale peut, à son tour, perturber négativement les systèmes corticaux importants pour la performance mathématique. Et comme nous avons testé l'anxiété mathématique, nous avons développé un questionnaire qui a demandé aux enfants de réfléchir à la façon dont ils pourraient se sentir nerveux lors de certaines questions mathématiques ou des situations impliquant des maths. Sur une échelle qui allait du pas nerveux du tout à très très nerveux, un exemple de question, c'est un problème arithmétique, c'est juste oui ou non, ou une situation comme vous étiez en classe de mathématiques et vos professeurs sont sur le point de vous enseigner quelque chose de nouveau. Comment vous sentez-vous? Et sur la base des réponses à ces questionnaires d'anxiété mathématique, nous avons constitué deux groupes d'enfants, un groupe avec une anxiété mathématique élevée et par contre un groupe d'anxiété mathématique faible. Et les groupes sont similaires sur un certain nombre de variables, telles que le nombre d'enfants, les ratios garçons-filles, l'âge moyen, quotient intellectuel, performance de lecture et aussi performance en maths. Donc, sur le plan comportemental, les différences entre les groupes sont uniquement au niveau de l'anxiété mathématique. Donc, c'est une étude très contrôlée dans cet aspect. Et les cerveaux, les résultats de le cerveau, nous avons observé plus d'activité dans les groupes d'enfants avec des niveaux élevés d'anxiété mathématique. Et cet effet est évident, comme prévu, dans l'amygdale, mais aussi dans d'autres régions du cerveau importantes pour résoudre des problèmes mathématiques.
La cortex pariétale, qui, comme nous l'avons vu, est importante pour la manipulation de la quantité et des nombres, et la cortex préfrontale, qui est responsable des fonctions exécutives, la planification, l'attention, la mémoire de travail, que pour la mathématique est importante pour maintenir le résultat intermédiaire d'une opération arithmétique en ligne. La question est, qu'est-ce qui pourrait indiquer une activité cérébrale disproportionnée dans des régions importantes pour les mathématiques? Et c'est le concept d'effort neurocognitif. Lorsqu'une ou plusieurs régions du cerveau fonctionnent plus qu'elles ne les devraient, car les mécanismes ne sont pas optimisés. Et ces résultats nous disent que les cerveaux des enfants très anxieux et mathématiques, même si cela ne se voit pas quand vous regardez simplement les réponses du test, fait beaucoup d'efforts ou dessous de la normale lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes mathématiques. Et je pense que c'est un aspect très important pour souligner le rôle unique des neurosciences dans les aspects de l'apprentissage. En ce qui concerne les mécanismes neurobiologiques, donc, il est possible qu'une activité anormale de l'amygdale puisse à tour perturber des mécanismes cérébraux qui, en tant en quelle sorte défectueux, sont incapables de fonctionner effectivement chez ces enfants. Et qu'en est-il de la relation entre l'anxiété mathématique et SSE? Dans une étude préliminaire récente à Paris, nous avons observé que les enfants de faible SSE présentent des niveaux plus élevés d'anxiété liés aux mathématiques par rapport à leur père de SSE élevé. Et notamment, un niveau trop élevé d'anxiété mathématique lié à de moins bonnes performances mathématiques. Mais ces relations sont uniquement observées dans les groupes des enfants de SSE faibles. Violet. Et même s'il n'y a pas de relation significative, la direction est inversée dans l'autre groupe, orange. Et ces résultats semblent être conformés à l'hypothèse N-U inverse qui suggérait que la performance optimale s'est produite au niveau intermédiaire de veille, stress, vigilance. Et donc, les effets du stress peuvent être positifs. Ils nous aident à mettre nos cerveaux en alerte. Cela peut contribuer à améliorer les capacités intellectuelles et l'apprentissage en nous rendant plus concentrés et attentifs pour activer les processus de mémoire. Mais quand il perdure à long terme, il peut être délétère. Et notamment, un stress prolongé peut également altérer les structures cérébrales importantes pour la formation des mémoires, qui est la base de tout l'apprentissage. Il s'appelle l'hippocampe. Et beaucoup d'études ont démontré la relation entre le stress et l'hippocampe. Un exemple est que l'activation fonctionnelle de l'hippocampe est altérée chez les adolescents avec symptômes de stress post-traumatique lors d'un tâche de mémoire. En général, l'hippocampe, pour la mathématique, l'hippocampe est une région du cerveau qui permet d'associer les stimuli et les concepts. Lors de l'apprentissage des mathématiques, l'hippocampe est cette région du cerveau qui permettent petit à petit d'associer les opérandes avec leurs solutions, conduisant finalement à pouvoir récupérer rapidement la bonne réponse directement de la mémoire. Donc, un fonctionnement sous-optimal de cette région du cerveau peut altérer profondément l'apprentissage efficace des faits arithmétiques. Par l'aspect neurobiologique, il a été observé qu'au cours du développement, la consolidation des mémoires et connaissances stables s'est produite principalement pendant le sommeil, plus que pendant l'éveil. Et pendant le sommeil, la consolidation des mémoires est obtenue par l'intégration des deux phases critiques du sommeil, le sommeil à onde lente et le sommeil à mouvement oculaire rapide, qui contribue à favoriser les transferts des mémoires depuis l'hippocampe où les mémoires se forment vers les réseaux corticaux à la surface du cerveau où ils sont stockés. En tant qu'elle, une bonne nuit de sommeil favorise une communication croisée optimale entre l'hippocampe et les régions du cerveau, du cortex, améliorant l'apprentissage grâce à la création des mémoires stables. Par contre, ou un mauvais sommeil qui peut être causé par un sommeil fragmenté, ce qui peut être causé de routine irrégulière, le stress, et qui peut être des facteurs plus fréquents
adultes dans l'environnement des faibles SSE peut altérer ces processus de consolidation des mémoires. Et ainsi, l'effet arithmétique ne pouvait pas être transféré dans les aires corticales de la mémoire à long terme. Ce résumé, une hypothèse de travail pour l'inégalité scolaire sur la relation entre les cerveaux SSE et l'apprentissage mathématique et que les différents facteurs qui peuvent être altérés en contexte de faibles SSE, comme la simulation cognitive, émotionnelle, bonne, ou par contre en sommeil fragmenté, le stress, pour perturber les mécanismes cérébraux qui sont essentiels pour l'apprentissage de la mathématique, comme la cortex préfrontal, la cortex pariétal, l'hippocampe et aussi l'amygdale. Et juste une réflexion générale et une petite étude pour terminer. Pourquoi toutes ces informations neurobiologiques sont-elles importantes? Et la raison est que comprendre les mécanismes sous-jacents à l'apprentissage mathématique et les facteurs qui peuvent les affecter peut aider à identifier des traitements d'intervention efficaces, mais aussi peut évaluer les bénéfices d'une intervention, à la fois au niveau comportemental, mais aussi au niveau cérébral. C'est le concept de plasticité cérébrale. Avant, par exemple, nous avons vu qu'il est possible qu'au niveau de la performance, les enfants semblent bien se débrouiller, mais leur cerveau lutte encore plus qu'il ne l'est de vrai. Et donc, par exemple, si une intervention est vraiment efficace, elle doit pouvoir soulager le système de leur effort neuronal. Et nous avons testé les effets d'une intervention mathématique développée à partir des connaissances neuroscientifiques. Cette intervention comprend des aspects des connaissances et manipulation de la quantité pour simuler la cortex pariétale, l'aspect sur les règles et les stratégies pour simuler la cortex frontale, préfrontale, et beaucoup d'exercices d'effets arithmétiques pour simuler l'hippocampe. Et nous avons testé cette intervention dans un groupe d'enfants avec dyscalculie développementale, TD, et un groupe d'enfants au développement typique, TD, en obtenant des registrations IRM fonctionnelles avant et après l'intervention lors d'une tâche de calcul. Et la question est si une intervention basée sur ce principe neuroscientifique peut-elle améliorer à la fois les performances mathématiques et aussi l'activité chez les enfants ayant de grandes difficultés d'apprentissage mathématique. Et oui, nous avons observé que les grandes différences de performances mathématiques entre les groupes avaient disparu après l'intervention. Et aussi, les différences cérébrales que nous avons vues entre les enfants avec DD et TD ont disparu aussi après l'intervention. Et notamment, c'est un autre résultat, plus les cerveaux changent, plus les performances sont améliorées après l'intervention et les groupes de dyscalculie développementale. Et donc maintenant, la question est si nous pouvons favoriser la plasticité cérébrale dans les circuits mathématiques chez les enfants à faible SSE avec des interventions qui ciblent les mécanismes impactés. Et c'est une étude en cours que je mène, financée par l'INR, la Commission européenne et l'Université de Paris. Si vous êtes intéressé, vous me pouvez contacter. Et après, ils sont beaucoup de questions, comme quand il est bon d'intervenir, c'est l'intervention pour avoir un effet durable, ou quels sont les mécanismes de la différence individuelle, ou plus mécanismes de la différence individuelle, et les mécanismes de résilience, et aussi quels sont les effets de l'environnement de la classe et de l'école, et comment potentiellement, les technologies d'apprentissage pour aider à contraster l'inégalité éducative et aussi les différences culturelles. Nous avons vu que différents pays ont différentes barres d'écart d'inégalité.
Et toutes ces questions nécessitaient, je pense, je crois que toutes ces questions nécessitaient d'une approche interdisciplinaire avec les neurosciences. Et merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Teresa pour ta présentation, bravo. Je vais d'abord essayer de te proposer des questions en français et te les traduire tant que je peux, moi aussi. Pour l'instant, on n'a pas encore de questions qui viennent de l'extérieur, donc j'invite la salle à en proposer. Moi, je vais commencer par t'en poser une. Tu as évoqué la question des émotions, notamment de l'impact du niveau socio-économique sur peut-être l'amygdale, la maturation de l'amygdale. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer un travail autour de la régulation émotionnelle pour aider ces enfants à développer de meilleures compétences mathématiques? So I think I understood. So some interventions, you can do it in different ways, and there is very little evidence about this, but it has been shown non-neuroscientifically but behaviorally that some mindfulness interventions could help. For our purposes, some data we actually have, if we think about it, in our group of children with high math anxiety, we did an intervention that was comprehensive of cognitive as well as one-on-one aspects, not so much emotional control, but that already helped the children and the brain as well. But I think it's also a question of individual differences again, so it depends, but mindfulness and because everything is interconnected, I think that also it's been shown that periods of rest before or to implement periods of rest during learning could help, which could mime some sleep aspects and so yeah, or more motivation as well, lots of rewards, that's also an option, but everything needs to be tested, but I think that that's one goal. But not too long, huh? I have to translate now. Sorry. My working memory is low. Okay. Donc il existe différents types de programmes d'intervention qui semblent efficaces, notamment autour de la pleine conscience, la mindfulness, mais il y a différents programmes aussi qui essayent d'être plus globaux, de travailler sur différents aspects, sur le contrôle des émotions, mais aussi sur des processus cognitifs qui pourraient aider au développement des mathématiques. Il a été également montré que des périodes de pause dans les apprentissages permettent de diminuer l'anxiété mathématique. Yeah, that's good. I had a question for you. J'avais une question pour toi. Was like the relationship between like poor readers and poor students in math, and what could be the common factors that could explain that some children fail at math and reading, and what could be the intervention in those cases? Because we know that in low SES families, there are more risks for poor reading abilities, but also poor math abilities. So what could be the driving factors of those two? Let me just like rephrase it in French and then you can answer. La question que j'ai posée était de dire que on sait que dans des enfants qui viennent de milieux défavorisés, on a plus de mauvais lecteurs, mais on a aussi plus d'élèves qui peuvent avoir des difficultés en maths, c'est ce que tu as présenté, et qu'il y a même peut-être des effets encore plus forts en mathématiques qu'en lecture. Et ma question était de savoir s'il y avait des facteurs communs qui pouvaient expliquer des déficits ou des difficultés en mathématiques et en lecture. Okay, so I know that there are different theories and on reading abilities and reading interventions and reading causes or comorbidities. Maybe it doesn't matter. But one recent finding is that actually comorbidity between reading and math at the neural level occurs at the hippocampus level.
And that's a study of a couple of years ago. And so I think within the context of SES, since I talked so much about the hippocampus and how much that brain structure could be affected by the stress, the poor sleep, and et cetera, I think that potentially a common denominator for both reading and math in the case of SES could be some intervention that boosts the hippocampal functioning, so some associative learning type of task, but that's just my hypothesis. I mean, like Irene is also here and she's the expert on reading, but that's the common denominator for me. Ok, donc je vais essayer d'exercer ma mémoire de travail moi aussi et vous dire que ce que Teresa suggère, c'est que possiblement on sait qu'il y a une zone qui a l'air d'être affectée chez les enfants qui ont des difficultés en mathématiques et ceux qui ont des difficultés en lecture, ça serait l'hippocampe. Et l'hippocampe, on sait que c'est une structure sous-corticale qui est impliquée dans la mémorisation mais aussi dans les apprentissages associatifs. Et donc Teresa et Irène vont mener des recherches autour de cette question, de savoir si on pourrait pas mener des interventions justement qui joueraient sur ce facteur-là, sur des fonctions qui sont sous-tendues par l'hippocampe comme un vecteur de réduction des difficultés en lecture et en mathématiques. So Teresa, somebody's asking more details about your intervention. First. Yes. So I didn't have time to put it on, but I think it's a very important question. The intervention was a 2 months intervention, so in a way not too long, and it was one-on-one. So every child had a tutor, and it started with, as I said, strategies for number and quantity understanding, and then it went on to move on strategies for counting, and then strategies for breaking down problems, for example, during arithmetical learning. And the big chunk was really rehearsal of the problem with lots of game type of activities, so flashcards, but also we had like a treasure hunt, or like, so that aspect sort of like we think sort of boosted reward. And this is an intervention that was developed in the state by an educational researcher, her name is Lynn Fuchs. So, if someone is interested, I'm sure she's. Okay. Donc, son intervention repose repose sur déjà dure 2 mois. 2 mois se fait en un pour un, c'est-à-dire un enfant et un tuteur. Et progressivement, différentes compétences sont travaillées, de l'appréhension des quantités, de la capacité à aller décomposer des nombres. Et la mémoire. On te demande jusqu'à quel âge peut-on travailler sur la plasticité et quel âge ont les enfants qui participent à tes études. Je vais parler en français. Toutes les études sont de l'âge de 7 à 9 ans, soit CE1 et CE2. Et normalement, par exemple, la dyscalculie développementale est diagnostiquée en Italie, à CE1 et CE2. Mais je pense que cette intervention, c'est approprié pour cet âge, mais je pense que c'est en littérature, la plasticité cérébrale, c'est it's running very fast, plus rapide la pré-école. Et je pense que petit à petit, nous pouvons penser à différentes ways. Différents moyens. Contribuer à la plasticité cérébrale pour les différentes enfants des différents groupes. Okay. Merci beaucoup, Teresa. Merci.
Bon, je ne vais pas changer les petits capuchons, je vais prendre un risque inconsidéré. Je voulais vous remercier à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Zoom, sur YouTube, et puis à tous les présents qui ont bravé la Covid pour venir dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Vous remerciez évidemment le rectorat de Paris qui est le recteur de Paris et de la région académique qui nous a fait l'amitié de nous prêter ce grand amphithéâtre de la Sorbonne dans le cadre de la convention que nous avons signée avec les académies de Paris, Créteil et Versailles et qui nous permet chaque année de faire de la médiation scientifique et de la diffusion de toutes ces connaissances scientifiques vers le grand public et notamment vers le monde de l'éducation. Évidemment, remercier les éditions Nathan et voilà l'ensemble de ce qu'on fait avec Nathan aujourd'hui parce que en fait j'ai des problèmes sur les noms et donc maintenant je viens de me souvenir que c'était Catherine Lucet qu'il fallait que je dise et donc je remercie Catherine Lucet qui est présente aujourd'hui. J'ai des problèmes de mémoire à long terme, mon hippocampe ne fonctionne plus en fin de journée, mais en tout cas je veux la remercier chaleureusement pour son soutien parce que ça fait 3 ans que nous travaillons ensemble à travers notamment cette chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité qui a justement vocation à faire coexister un laboratoire de recherche et des entreprises impliquées dans le domaine de l'éducation et qui nous permet aujourd'hui de vous proposer cette journée qui est retransmise, dont on a fait la captation et qui nous permettra, je remercie notamment Xavier Comte de nous avoir mis en contact avec l'entreprise qui nous permet aujourd'hui de vous proposer cette journée et dont les vidéos seront diffusé notamment sur le blog que nous avons créé, le blog de vulgarisation scientifique du Lapsidé, qui est le 21 du Lapsidé. Donc je vous invite à aller regarder la chaîne YouTube du Lapsidé sur lequel on va mettre aussi, qu'on va essayer de faire vivre peut-être un peu plus, de mettre toutes les... On est très présent dans les médias, donc l'enjeu c'est aussi de vous mettre à disposition tout ce que nous faisons et toutes ces travaux de médiation scientifique. Vous dire que vous pouvez trouver un certain nombre de ressources sur le site web du Lapsidé, lapsidé.com, et puis aussi sur le compte Twitter qu'on essaye d'alimenter du plus que nous pouvons. Remercier évidemment le comité d'organisation, alors Anya qui était avec moi sur scène, Anya Hitt, Irène Altarelli qui a été une double casquette d'organisatrice et d'intervenante dans cette journée, Nora qui est dans la salle et qui a géré tous les aspects un peu complexes administratifs d'envoi des liens et ainsi de suite, Alex de Carvalho qui a eu une double casquette aussi et que je remercie pour son intervention, Claire Pruvot, Arnaud Viarouge qui a géré de main de maître la suite des questions qui étaient proposées dans les différents supports de diffusion de cette journée. Et puis évidemment, Olivier Houdet, que je remercie à double titre, d'une part parce qu'il a fait une conférence d'ouverture magistrale qui nous a rappelé, je dirais, ce qui est le cœur et le fondement de notre système éducatif, l'éducabilité. Le remercier aussi parce qu'il a eu, finalement, il a porté et fondé cette chaire Sorbonne de rééducation et créativité qui a été quand même sous le haut patronage de l'Élysée et de l'ancien président de la République, mais aussi de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale que je salue, Najat Vallaud-Belkacem. Et voilà, pour aussi tout ce qu'il a fait pour contribuer à la psychologie à tous les niveaux dans notre système éducatif et notre système supérieur d'enseignement et de recherche. Vous dire aussi que c'est des données très préliminaires que nous avons présentées aujourd'hui. C'est un axe très fort du laboratoire pour ces prochaines années. Il y a, comme vous l'avez vu, un certain nombre d'entre nous qui travaillons sur cette problématique des inégalités éducatives. Alors, par le prisme des troubles neurodéveloppementaux. Aujourd'hui, on a entendu parler du TDAH, mais il y a des gens au laboratoire qui travaillent sur la dyslexie, sur la dyscalculie, et que c'est aussi, ça participe aux inégalités éducatives. Et puis, évidemment, sur un problème fondamental de notre système éducatif, qui est ce problème des inégalités éducatives produites par les inégalités sociales. Je crois que c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur au laboratoire. Alors, on le fait vivre avec des perspectives qui sont les nôtres, qui sont des perspectives de la psychologie du développement, des sciences cognitives, des neurosciences cognitives, mais elles doivent aussi contribuer finalement à cette discussion. Elle ne peut pas simplement être une discussion de sociologues ou d'économistes. On doit aussi pouvoir contribuer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on mène un certain nombre de recherches
interdisciplinaire de ce point de vue-là. Je suis notamment au conseil scientifique du LIEP. Le LIEP, c'est le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po et de l'Université de Paris, dans lequel je contribue notamment à l'axe l'évaluation du système éducatif. Et on va mener, à partir de la rentrée prochaine, notamment dans l'Académie de Paris et dans l'Académie de Versailles, un essai contrôlé aléatoire, on en entend beaucoup parler, pour justement évaluer un peu ce dont on a entendu parler en filigrane de toute cette journée. On a entendu parler de maths, on a entendu parler de langage, on a entendu parler de lecture, mais au cœur de tout cela, on a entendu parler évidemment d'interaction sociale dans la classe, mais au cœur de tout ça, et on l'a entendu un peu en filigrane, on a entendu parler beaucoup de métacognition, métacognition sociale, métacognition cognitive, et je pense que c'est là un vrai levier de réduction des inégalités éducatives, comment nous pouvons former les enseignants, l'ensemble des intervenants dans le système éducatif à cette question de la métacognition, mais aussi les élèves. N'oublions pas les élèves, ils doivent et on doit contribuer à développer les compétences métacognitives des élèves, évidemment la connaissance du cerveau, mais aussi de toutes ces stratégies et toutes ces connaissances métacognitives. Et d'ailleurs, je voulais souligner que la chaire va financer, à partir de la rentrée prochaine, deux bourses de thèse, dont l'une des deux sera justement sur des interventions métacognitives visant à réduire les inégalités éducatives dans le domaine de la réussite scolaire et éducative, avec deux prismes, un prisme sur l'éducation à la parentalité, l'accompagnement à la parentalité, on a aussi beaucoup entendu parler de ça aujourd'hui, la coéducation est un vecteur profond de réduction des inégalités. Il faut que les familles puissent aussi être au cœur de ce dispositif, qu'elles puissent avoir une voix dans l'école et pas simplement être en dehors de l'école. Et pour cela, on a besoin de pouvoir proposer effectivement des interventions qui fonctionnent, dont on sait qu'elles fonctionnent, parce qu'on a aussi besoin du soutien des politiques publiques et qu'aujourd'hui, les politiques publiques, elles doivent s'adosser aussi sur une démarche objectif d'évaluation de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins. Et donc, on va évaluer dans plus de 120 classes, justement, une intervention autour d'une aide à la parentalité, autour de développer les compétences métacognitives, l'entrée dans les apprentissages, l'accompagnement des apprentissages de l'enfant. Ça, c'est pour le CP. Et puis, vous dire aussi qu'on a eu déjà des données effectivement extrêmement intéressantes sur les grandes sections de maternelle dans les écoles REP et REP+ de l'Académie de Paris, dans lesquelles on a pu montrer que les différences de niveau socio-économique, par exemple dans le domaine du langage ou dans le domaine des mathématiques, étaient entièrement expliquées, ou en tout cas en très grande partie, par des différences de niveau socio-économique sur les compétences métacognitives, et que c'est donc bien là un des grands leviers de réduction de cela. Alors j'étais très intéressé, Sébastien, par tout ce que tu as dit, mais tu as cité beaucoup le terme de métacognition sociale, et je réutiliserai, je te le dis tout de suite, ce terme-là, parce que je pense qu'effectivement, il faut expliquer, non pas seulement aux enseignants, mais aussi aux élèves, qu'ils sont dans un contexte social quand ils apprennent. Alors ça paraît un peu trivial de le dire, mais leur expliquer que cette classe, c'est finalement des interactions sociales qui peuvent mener effectivement à ce que tu as très bien montré, une reproduction des inégalités sociales. Mais ce n'est pas simplement aux enseignants qu'il faut le dire, il faut aussi le dire aux élèves. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu pour nous, de notre statut de psychologue du développement, de pouvoir s'adresser aux enfants. Et c'est aussi ce qu'on fait en essayant de développer du matériel pédagogique avec Nathan. Vous dire aussi que cette action, elle s'inscrit dans le COP inégalité éducative porté par le CNRS. On a obtenu du CNRS une bourse doctorale qui va encadrer Teresa et Irène sous le haut patronage de Olivier autour de la question justement de ces problématiques d'inégalité éducative en lecture et en maths, et en essayant de cibler des processus de haut niveau, notamment en utilisant Skies of Monahawk, pour essayer de compenser ces inégalités éducatives dans le domaine des mathématiques et de la lecture. Donc vous voyez que c'est finalement, je dirais, un effort collectif du laboratoire, de la chaire, Sorbonne Neuro Éducation et Créativité, de l'ensemble des mécènes de cette chaire, de s'engager finalement progressivement dans cette question de comment les neurosciences cognitives du développement et la psychologie du développement peuvent participer à la réduction des inégalités éducatives, parce qu'une société qui fonctionne bien, c'est une société qui compense réellement les inégalités éducatives. Voilà, je vais finir sur ces mots-là. Je vous remercie
de votre présence aujourd'hui. Restez bien connectés à l'ensemble des canaux de diffusion du Lapsidé parce que nous allons mettre en ligne l'ensemble des vidéos de cette journée. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles conférences dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Merci beaucoup.